Allô? Hello. Ce matin, un gros retard encore. Je ne vais plus en parler. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et malgré les plans, je vais parler comme... Oui, quoi? Oui, le téléphone. Je vais parler comme les fervents croyants qui voient petit Satan en tout. Malgré les plans des ennemis, je vais bien. Tout va bien. Parce qu'en fait, ce matin, je ne peux pas ne pas lancer ce coup de gueule à celui qui devrait être notre invité principal, une personnalité une personne assez respectable et remarquable qui a réservé l'émission pour nous parler de... Voilà, le siège est bien vide. Pour nous parler d'un sujet pertinent, je vous en avais parlé hier, qui a sollicité le passage donc pour parler du paludisme et du vaccin. Étant donné que le professeur il n'est pas souvent sous nos cieux, il est de passage à Lomé, donc on a tout chamboulé pour lui faire de la place aujourd'hui. Et hier nuit, il m'appelle tout bonheur, voilà. Oh, Belis, j'ai une réunion demain. Oh, bon, tu diras à tes téléspectateurs. Et puis il m'a dit ça. Non, je vais dire ça, puisque c'est une commission qu'il m'a faite. Tu diras à tes téléspectateurs que oui. Le professeur Gbagbo Bénissant devrait quoi, nous parler du paludisme aujourd'hui, mais il a été empêché à la dernière minute. Puis tu trouveras quelque chose d'autre à faire. J'ai dit, 2 heures, c'est galère. C'est pas évident, c'est pas possible d'ennuyer. Oh, tu sais, bon, le gars, il n'y a pas de problème en fait, parce que lui, c'est pas le bala. Et puis, comment le bala va faire pour gérer son foutage, il s'en fout. Bref, j'ai pas aimé, donc je vous le dis. Non, non, quand on porte respect, admiration et puis considération à certaines personnes, que ça te fait ça, sincèrement, j'ai été très choquée hier. J'ai été très choquée, mais bon, on va faire comment? Heureusement qu'on a un autre invité derrière aussi. J'avais voulu hier par hasard, en fouillant sur les réseaux, on a vu un événement qui devrait avoir lieu aujourd'hui. On en parlait souvent, hein. On en faisait écho souvent. Feuillet papier, un événement organisé par Elon Musk et compagnie, et qui devrait parler aujourd'hui de Ataku Maniget. Je connais pas. J'ai Ne regarde pas du tout. retrouvé Maniget piquante, je crois. Ça doit être maniguette piquante. Hier, c'est pareil, hein, j'ai cherché, quand je devais en parler, dit maniguette, maniguette, maniguette piquante. À qui est-ce que j'ai envoyé ça hier? À Elon Vince lui-même. C'est ça. Maniguette. Bah oui. Maniguette piquante. Il y a le SEMA qui présente Feuilles Papier 25 au ELAB cet après-midi autour de l'ouvrage Les guérisseurs de Aï Koï Ama. Et puis aussi, on devrait parler d'Ataku. Mais l'intervenant principal, le prince Plakoum-Lapa de Togoville, il n'est pas dispo. On a un invité qui devrait venir nous en dire plus. Voilà. C'est ça aujourd'hui. Voilà. Ben voilà. C'est comme ça qu'on galère des fois. C'est la galère, la vraie super galère. Mais bon, c'est dimanche et puis c'est bon. Depuis mercredi, on est rentré dans la période de carême précédent, la Pâque. Tu jeûnes, non? Non. Tu observes le carême des catholiques, non? Je ne sais plus. Ah! Bon, le carême, c'est pas seulement se priver de nourriture. Oui, si je le dis, Je vais c'est... pas dire est-ce que tu manges pas. J'ai dit tu observes le carême, c'est Et ça que je je lui ne ai sais pas. demandé. Et dit ne sait pas. Oui, je dis je ne sais plus. Tu Parce sais que que quoi? je n'attends pas le temps de carême pour observer le J'ai carême. dit ça. Moi, j'ai dit on est rentré Donc dans le oui. carême depuis la Donc fois oui. dernière. Est-ce que tu es dans la pénitence vers Oui. Pâques aussi? Oui. Ah, je ne sais plus. Sincèrement, même Victor, avec tout le froid qu'il a, il n'aurait pas pu dire. C'est Victor, toi, tu fais le carême aussi? C'est quel nom agressif, ça? Mais pourtant, Victor, c'est notre C'est prêtre. un prêtre raté. Lui, là même, ça aurait été une erreur que lui, il entra dans les ordres. Une Pourquoi? grosse erreur. Mais ça lui ressemble bien. Et, il a Elle a gento. la lune d'un prêtre, non?
L'allure d'un bon prêtre. Elle, on ne va pas lui demander. Oui, Lise, en parlant du carême, oui. Je me suis rendu compte que il y a le jeûne musulman. Qui va commencer bientôt également. Oui, le carême, le temps de carême chez les catholiques. Et il y a quand même je ne sais pas, il y a une de grandes différences entre les deux moments de contrition, d'observance, de privation de soi et autres. Mmh. Si vous voulez, on peut encore. Oui, allez-y, c'est vous notre ancêtre. Instruisez-nous, on est tout de suite. C'est-à-dire que la période du carême catholique commence toujours au lendemain du Mardi Gras. Mmh. Et le Mardi Gras, ça précède 7 jours gras où l'on se gaver et autres. Et surtout le Mardi Gras, c'est la fête, c'est le summum. Caravane. On peut boire jus de l'huile même. Oui, on peut tout faire pour pouvoir. On se dit que c'est le lendemain, jour. C'est la privation, c'est ça. Il faut faire des réserves de graisse comme les ours. Mm-hmm. Pour pouvoir passer toute la période d'hibernation. Et le mercredi des cendres arrive, où à l'église, on vous rappelle que vous êtes poussière et que vous retournez à la poussière avec le signe de croix avec de la cendre sur le front. Et si tu n'es pas en bon terme avec ton curé, il peut te mettre la cendre sur tout le visage. dernière fois, le prêtre, il nous mettait ça dans les cheveux. Ah oui, oui. Oui, c'est un peu là. Et maintenant, normalement, en période de carême, on ne doit pas consommer de la viande. Rouge. Surtout la viande rouge. Et surtout, les vendredis, on peut dire que c'est systématiquement interdit. Et il est donc dit que tout catholique fervent ne doit pas consommer la viande rouge les vendredis. Pendant le carême. Au-delà du carême. Ok. C'est-à-dire, pendant le carême, c'est systématique. C'est systématique. Mais généralement, tout catholique fervent ne consomme pas la viande rouge le vendredi. Le vendredi. Ah bon ? Oui. Ça, je ne savais pas. Oui. Et maintenant, il se fait que le carême dure 41 jours. C'est pas 40 ? Non, c'est 41 jours, je crois. Okay. C'est 41 jours. Plus 6 dimanches. Parce que plus comment ? Oui, parce que les dimanches. On ne jeûne pas. Oui. Attends, plus ou moins dimanche? Non, je dis plus, c'est-à-dire que ça fait 47 jours. Ça fait 47 jours. Donc, quand on soustrait les dimanches, ça devient 41. Ah. Parce que les dimanches, on ne jeûne pas. D'accord, oui, oui. Donc, dans les 40 jours, là, les dimanches, on fait pause. On ne jeûne pas. Puisque là, on continue. Mais pour ceux qui font passer à la table sainte. Ah oui, c'est vrai. Les dimanches, généralement. Oui, et le carême, maintenant, chez les catholiques, c'est surtout réduire... En fait, faire de bonnes actions, aimer plus, être charitable et autres, et aussi faire l'effort de ne pas beaucoup manger. Est-ce que c'est pas que manger, c'est faire l'effort de se priver de ce qu'on aime. Faire l'effort de se priver des désirs de la chair. Et moins manger aussi, mais... comme l'a dit le prêtre la dernière fois dans son homélie, quand je mange moins, mais en fait, si c'est la moitié de la quantité que je mangeais d'habitude, il faut que l'autre moitié serve à quelqu'un de nécessiteux. Ok, qui d'accord. Maintenant, quand on analyse un peu surtout cette privation-là, c'est-à-dire quand vous avez l'habitude de manger... un repas normal par jour et que vous réduisez de moitié, ça devient vraiment difficile à la personne parce que c'est une nouvelle habitude qu'on commence par prendre. Et ce n'est pas facile, en fait, ce n'est pas facile. Donc c'est un peu tout ça là qui tourne autour du carême catholique. Manger moins ou alors ne pas manger du tout. C'est selon chacun. Chacun voit mais quand qui est adapté à... Tu te décides que tu fais ça. Si c'est le chocolat que tu aimes plus, te dis, je me prive de chocolat. C'est-à-dire que tu fais l'effort de ne pas assouvir un certain besoin physiologique ou alors un certain besoin de ton corps, quelque chose, un désir à toi.
en signe de contrition. Mm-hmm. Manger, ne pas faire des palabres, ne plus boire. Faire beaucoup de gnadoué, boire, et avoir des relations sexuelles désordonnées. Et puis, voilà, quoi. Mais tout ce qui est matériel, on doit le donner à... On passe par un devoir, mais l'idéal, c'est de partager. C'est-à-dire, je me prive de la nourriture la journée, je ne fais pas d'économie. Je ne fais pas non plus de réserve. Je partage. C'est ce qu'on appelle effort de carême communément. C'est ce qu'on appelle effort de carême chez les catholiques. Mmh. Mais là, comment elle fait carême là ? L'autre à qui je donne la bouffe ne fait pas carême. Non, en fait, c'est quand il va rompre aussi qu'il va manger. Non, c'est, en fait, c'est que lui, il n'a pas l'habitude de manger. De manger comme vous, par exemple, une famille qui mange une fois par jour. Mmh. Donc ça veut dire qu'en période de carême, la famille peut manger une fois et demie. Ou bien deux fois. Une fois, deux fois. Parce qu'elle se prive déjà depuis. Vous, c'est seulement durant cette période. Ou alors, la seule fois que cette famille doit manger par jour, c'est moi qui lui assure ça. Yes, ou alors, c'est, vous faites comme, un peu comme les musulmans le font, vous pouvez donner du sucre, du lait, du riz. Voilà. Vous pouvez faire des dons aux gens, mais en même temps, vous privez d'une certaine manière. Et puis, quand vous mangez moins ou quand vous mangez plus sain, plus de fruits, par exemple, durant le carême, au lieu de manger la pâte ou bien foufou, grosse assiette, ça purifie aussi le corps. Le corps quand on sort de jeûne, on est bien, aussi bien spirituellement que physiquement. Ça se sent physiquement, c'est une purge. On permet au corps de faire son ménage, et puis c'est de se nettoyer. C'est ce qui aboutit aussi à la fête de Pâques. Mm-hmm. Et souvent, Pâques, c'est souvent le renouveau, comme on dit. C'est souvent le renouveau. C'est comme un nouveau départ pour le corps, balayé, qui a fait tout le ménage. Voilà. Ça permet aux cellules de... Non, c'est top de faire souvent le jeûne. Si on ne le fait pas souvent... On saisit cette occasion commune, collective de la faire. Maintenant, c'est que de le faire le jour. On peut dire que le carême catholique, on ne rompt pas. C'est-à-dire que quand on commence, c'est à la fin qu'on rompt. C'est-à-dire qu'on ne commence pas le matin pour rompre le soir, dans la mesure où il n'y a pas une obligation de ne pas manger toute la journée. Donc chez les catholiques, c'est juste réduit. Il n'y a pas de rupture, oui. Ah, ok. Ce n'est pas comme chez les musulmans où le manges. Soleil ne doit pas voir tête dans ta bouche. Oui. Manger. C'est ça. Ok, d'accord. Donc là, ça veut dire que c'est à part les dimanches où il y a la pause, il n'y a pas vraiment de rupture jusqu'à la fin. Les 47 jours, il n'y a pas vraiment de rupture. Ok. C'est vous qui décidez, en fait. De comment vous le faites. Oui. Si vous voulez le faire sec et dire je rends à 18h, vous le faites. Si vous voulez boire de l'eau, vous le buvez. C'est pas que vous allez manger en quantité. Ça, la même, ça n'aide pas. Quand on est en jeûne et que le matin, on se met ça, on mange la journée même, on est comme un bois. Tu dors. Et puis, tu dis que. Et en plus, tu as faim plus tôt. Tu as faim plus tôt. Tout ça, c'est dans la tête, en fait. C'est être dans un certain positionnement, être dans une dynamique de contrôle, savoir qu'on fait quelque chose. Ne pas être dans la bouche, je dis simplement dans la bouche, il faut que ça se sente aussi dans ton comportement avec les autres. Les autres puissent comprendre, voir, constater que pendant cette période, toi, tu as changé. Généralement, elle répond, cette personne, rapidement, provocation. Mais là, ça va. Il faut qu'on puisse constater un certain changement en toi. Maintenant, l'effort de carême ne devrait pas s'arrêter au carême. C'est-à-dire que c'est comme une période d'entraînement, quoi. Tu fais l'effort pour devenir mieux que ce que tu étais. Mmh. Et après, tu continues dans cet élan-là pour que tu puisses vraiment... t'améliorer, puisque c'est évident, on est ici bas pour aussi nous améliorer du point de vue spirituel. Ouais. Donc ce n'est pas que la chair qu'on doit entretenir, mais on doit aussi faire l'effort d'entretenir l'âme qui est en nous. Et l'âme qui est en nous, l'entretien vient du fait qu'on se prive de certaines choses. Au profit de l'humanité et qu'on fasse l'effort d'avoir les pensées positives. C'est surtout ça aussi.
oui, c'est ouais. Voilà. Pensez bien positif. Pensez positivement. C'est important, hein. C'est important. Quelqu'un dit, je veux rajouter quelque chose par rapport au carême. C'est prière, partager, pénitence. Le carême se développer sur les trois. Oui, prière, partage. Prière, partage, pénitence. Prière, partage, pénitence, oui. Le carême, c'est sur ces trois axes, c'est vrai. Prière, partage, pénitence, oui. Prière, vous savez, à tout moment, on prie. Même assise ici, tu peux être en train de prier. C'est dit dans la Bible, prier sans cesse. C'est pas quand on prie forcément avec violence et agressivité que l'on prie. Et Dieu, il est assez entendant, bon entendant, pour écouter même nos prières dans le silence. Il sait écouter la voix de notre âme dans le silence. Mais on peut aussi prier. Et puis la prière, c'est-à-dire que ça vient quoi. Des fois, tu es là, tu pries simplement et tu ne parles pas. Quand ça veut parler, quand ça doit sortir, que tu parles, c'est pas toi qui décides que tu dois parler. Ça sort et tu parles. C'est pas télécommandé, quoi. C'est pas des trucs prémédités, c'est pas en amont. Si on est vraiment spirituel, si on est dans la vraie dynamique, c'est pas comme si on contrôlait quelque chose. Ça sort comme ça sort. C'est ça. Ça vient comme ça. Et puis, aussi, il faudrait ajouter, là, je réfléchis toujours pour comprendre ce pourquoi les catholiques ont décidé de leur période de carême à travers un mouvement lunaire. C'est-à-dire que, lui, c'est par rapport à des calculs lunaires. Comme les musulmans aussi. Oui, mais là, c'est lié au printemps. C'est-à-dire que le printemps commence le 21 mars. C'est ça, le printemps et l'équinoxe du printemps, c'est le 21 mars. Donc, il y a un calcul qui est astrologique, je ne sais pas qui tourne. Oui, parce que je sais que même les témoins de Jéhovah, pour leur période, le jour de mémorial, ils se fixent beaucoup à la lune, quelque chose comme ça aussi, oui. Ils parlent de 14 Nissan. Les témoins parlent plus du calendrier qui existait à l'époque des Juifs. Ils parlent du 14 Nissan. Le 14 Nissan évolue. Ce n'est pas que le dimanche ni vendredi, mais ça évolue. L'année dernière, c'était le jeudi, je pense, Donc, ça va forcément me décaler cette année. Oui. Donc, c'est aussi ce qui montre qu'il y a un lien, qu'on le veuille ou non, assez spirituel par rapport au moment. Pourquoi ça a été choisi comme ça et pourquoi la Pâque juive de l'époque aussi se célébrait pratiquement dans la même période. C'est que cette période, forcément, il y a quelque chose de particulier là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans. Et moi, je me dis que c'est aussi la preuve que nous ne sommes pas seuls dans l'humanité. Bonjour à tous mes amis extraterrestres qui nous suivent depuis la Voie lactée. Parce que déjà, bon dimanche. Est-ce que c'est dimanche chez vous, mais c'est quel jour chez vous? Déjà, on sait qu'il y a d'autres planètes. Et déjà, on a forcément la Terre, planète Terre, a des liens avec d'autres planètes. Donc il y a la TVT sur Mars. Je ne sais pas, je n'ai pas encore été. Donc forcément qu'il y a des liens. Bon, qu'on ne saura expliquer ou que je ne maîtrise pas, mais... Dimanche matin, comme ça, il ne faut pas rentrer dans les choses qui m'effraient, moi. Non, il existe quelque chose. Forcément, il existe quelque chose. Donc, c'est la période. La période, elle est vraiment... il y a quelque chose. Elle est sacrée, elle est sainte. Quand vous revoyez un peu le calendrier musulman, et la manière dont on compte les jours par rapport au croissant lunaire et autres. Vous devez aussi comprendre qu'il y a forcément un lien entre tout ce qui se passe sur la Terre et même la position de la Lune. Oui, c'est ça. Oh, bien sûr. Même la position de la Lune, vous savez, elle joue beaucoup sur l'état de santé des gens, sur Terre aussi. Elle joue énormément sur l'état de santé, donc...
Il y a forcément quelque chose. Elle joue sur la mer, sur, sur l'humeur de la mer. Sur l'eau même. Sur l'eau, elle joue sur tout. Elle joue sur tout. Et puis, dans cette période, s'il y a un truc, il y a un truc là, là. La période dans laquelle on est rentré depuis mardi, depuis mercredi, il y a un truc. C'est-à-dire que il y a un quelque chose. C'est partager cette période. Au-delà des croyances, la chrétienté et l'islam se partagent. Donc, cette période, il y a l'éké. Donc, il y a forcément quelque chose. Et je pense que c'est une bonne période à saisir pour faire son introspection et pour faire ses projections. C'est une très belle période à faire. Et maintenant, quand on revoit à peu près la civilisation aujourd'hui, la civilisation dans laquelle nous sommes, nous vient de l'hémisphère nord, l'Europe et autres. Et on se rend compte que le printemps dans l'hémisphère nord commence le 21 mars et c'est les fleurs, c'est la vie. C'est le renouveau, c'est un tout nouveau. La glace qui fond, parce qu'actuellement tout est gris, tout est gelé. C'est-à-dire que on peut dire, c'est comme tout est un peu mort. Mais à partir du printemps, c'est les nouvelles couleurs qui viennent. C'est la vie, les oiseaux qui ressortent, la vie. C'est comme si la vie reprenait. Ça. Donc, ce qui voudrait dire que quand on revoit le calendrier grégorien qui met le début de toutes choses sur le 1er janvier, faudrait comprendre que c'est juste une convention. Convention, c'est quand on s'est entendu pour dire que Mia Wenini. Oui. C'est pas comme si c'était que comme ça que Et ceux qui refusent de célébrer le 1er janvier en parlant d'une fête païenne de l'époque, c'est juste aussi que le 1er janvier était dédié à un dieu qu'on appelait Janus, qui est le dieu du commencement et des portes. Mais d'une manière globale, c'est une convention qui fait que le calendrier grégorien commence le 1er janvier. À la porte. Oui, mais au niveau de l'hémisphère nord, la vie renaît à partir du printemps de mars. Dans l'hémisphère sud, c'est le contraire. Le printemps dans l'hémisphère sud, c'est en septembre. Et ça fait aussi, ça montre aussi la dualité du monde. C'est toujours dichotomique, c'est toujours dual, ce n'est pas une seule pensée, une seule manière de le faire, non. Le yin et le yang, c'est deux, toujours deux, la dualité, voilà, c'est ça. Donc, à chacun de saisir cette période pour faire son travail sur lui, pour faire son travail sur l'humanité. C'est une belle période à saisir, mon cher, je ne vais pas passer pour... une prêtresse ou bien une maman pasteur, juste parce que il n'y a pas de cotisation, c'est juste pour ça. Si vous étiez à côté, et puis, j'ai découvert un truc hier. Hier, vous savez, sur WhatsApp, qu'est-ce qu'on ne va pas voir? Il y a des évangélistes ou alors des gens qui envoient des paroles sur WhatsApp. Il y a le texte, avec les textes de la Bible à lire, le thème du jour. Ils font ça quotidiennement. Il y a plusieurs structures, plusieurs organisations qui font ça, plusieurs personnes qui le font. Et puis après, c'est signé. Donc, ça fait une prédication en audio. Et puis, c'est comme le lectionnaire du jour pour ces gens-là. Et j'ai découvert un texte la fois dernière. La personne a mis le thème, a développé un peu les grands. Ça, c'était pas long, du thème... a mis les visas dans les textes bibliques sur lesquels le thème se fonde. Et puis a mis « Contact Timoni et Flouze ». Tu as pu voir. De toute façon, je suis choquée là. C'est comme ça, je suis restée choquée comme ça. J'ai dit, je ne sais plus ma Bible. J'ai cherché chapitre Timoni verset Flouze jusqu'à... chapitre Timoni verset. Je n'ai pas trouvé ça dans la Bible. Mais qu'est-ce que ça a à voir? C'est la quête. La quête. La quête de quoi? De l'argent? Bah oui, il a fait la prédication, il a donné les versets. Arrêtez-moi. Et tout, ça. Donc. De m'arrêter bien, ça, quoi. Il faut bien cotiser, non? Mais c'était un peu triste pour moi. Donc, bon, même temps, quand vous lisez, est-ce que vous êtes obligé de faire? Oui, mais pourquoi est-ce qu'il met ça? C'est de la mendicité. Voilà, c'est pour se payer la connexion. C'est de la mendicité.
Personne ne lui a demandé d'envoyer. C'est de la mendicité. C'est pour se payer la connexion, pour c'est continuer de la pas envoyer la parole. Bof, c'est de la mendicité. C'est bon, il est là. C'est de la mendicité. Et je ne suis pas d'accord avec cette mendicité-là. C'est du mendiage. C'est de la mendicité. C'est bon. OK. Donc, juste vous rappeler qu'on est dans une période spéciale depuis mercredi. À chacun de voir comment il peut tirer le meilleur parti de cette période-là. Beaucoup plus de patience. Beaucoup, beaucoup d'amour autour de vous. Beaucoup de compassion, de générosité, de charité. Quand on est honnête envers soi-même, l'on se reconnaît ses défauts. On se dit, oh, tiens, on a eu un tolo. On se reconnaît. Si vous ne voulez pas être honnête envers les autres, vous ne pouvez ne pas être honnête envers vous-même. Asseyez-vous face à vous-même. N'ayez pas honte de vous. Mm-hmm. Et dites-vous la vraie vérité. Et reconnaissez, ne serait-ce qu'un défaut ou alors qu'un aspect de vous que vous auriez aimé corriger. Et faites l'effort en ce mois de pouvoir le corriger. Mais pas seulement le corriger pour ce mois. Hein. Oui, corriger, mais tu sais, quand, si on arrive à le corriger pour ce mois, tu sais, l'habitude, ça peut venir. Quand on le corrige pour ce mois et que peut-être des gens apprécient et que l'on s'apprécie soi-même aussi comme ça, avec la prière, ça peut continuer. Donc, faites l'effort de faire ce travail sur vous-même. L'humanité ne s'en portera que mieux. Faites ce travail sur vous, chacun le fait sur lui. Puis voilà. Et pour manger, réduisez ce que vous mangez. Même si vous n'avez pas l'habitude de beaucoup manger, quel que soit ce que vous mangez, faites le signe de manger moins, partager plus. Il y a des gens qui ne savent pas partager. Essayez de partager plus. Midounou. Bon, tu le dis vraiment, en attendant quand mon va du moins, hello. Ou alors... On le dit souvent, on ne s'attend pas à ce que quelqu'un vienne. Non. Partager le peu que tu as, tu peux le partager, c'est d'une grande bénédiction. Pour ceux qui croient en la Bible, l'histoire de cette vieille dame qui a cotisé son ta dernière pièce, qui a une très grande valeur, c'est tellement symbolique que j'aime toujours la rappeler, qu'on n'a jamais trop peu pour donner. Quand tu ouvres la main comme ça pour donner, la main est ouverte pour reprendre aussi. Mais quand tu la fermes, ce que tu as comme ça, comment tu feras pour avoir du nouveau? Tu n'auras que ce que tu as, ce que tu gardes dans ta main, tu n'auras que ça. Mais si tu arrives à l'ouvrir ta main pour donner à quelqu'un d'autre, la main est ouverte pour recevoir d'autres aussi. Donc, apprenez. Flouzeti Mounia, numéro 1. Midjoga. Numéro 1. Et l'autre, il me dit en publication, parce que Mounia n'était pas du grand amour. Merci de moi. Numéro 1, Flouzeti Mounia, numéro 1. Donc, quoi. Bon, on sait tout ça, hein. On sait tout ça. On feint de ne pas le savoir. Mais c'est bien de saisir cette période particulière pour travailler sur soi. Voilà. On ne va pas s'attendre à ce que la guerre en Ukraine finisse. Peut-être que ça dépend aussi de vous. Changer, si collectivement tout le monde améliorait un peu sa personnalité, s'améliorait un peu, ça peut faire tâche d'huile. Ça peut avoir de grands résultats. Il est pognala. Eh, gars, j'ai allez, on va passer à la minute perdue pour recevoir un invité du jour, un invité de ce jour. La minute perdue, Firmin, c'est bon? Ouais, c'est ça, tu ris à gauche déployée, ta vie est belle. La minute perdue, s'il te plaît. Merci bien. On se retrouve tout de suite. Bonjour, monsieur. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, ce matin, comme d'habitude d'ailleurs, on a trois questions à vous poser. La première, elle est la suivante. Combien de mois possède 28 jours dans l'année? C'est un seul mois. Zéro. Bon, un seul mois dans l'année possède 28 jours. Pardon? Un mois. Lequel? Celui de février. Hein? Le mois de février. Février. Le mois de février. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que sur le calendrier, c'est le mois qui possède 28 jours. Hey! Et le mois de janvier? Le mois de janvier compte 31 jours. Pour arriver à 31, il faut passer par quoi? 28. 28. 28. 28.
on doit passer le 28 jours, le 30 jours jusqu'à arriver au 31. Donc je repose ma question, combien de mois possède 28 jours dans l'année? Tous les mois, 12 mois. Voilà, 12 mois. Voilà. Restez là, restez là. La caméra, elle ne vaut pas fuir. Les 12 mois. Les 12 mois. Vraiment, si je vois bien, ça fait 12 mois qu'il compte 28 jours dans l'année. Voilà, c'est simple comme bonjour, ou bien. Deuxième question, il faut bien m'écouter. Vous êtes à l'entrée d'un château possédant une seule porte à laquelle est attaché un lion mort de faim. Comment faites-vous pour entrer sans danger? Ça... On va faire doucement, doucement, pour que le lion ne nous voit pas. C'est un peu grave de passer auprès de ce lion qui est mort de faim là. Peut-être à vue d'œil, peut-être il a dans le besoin, puis toutefois m'avaler si je ne mens pas. Bon, je vais essayer de... Ah, c'est difficile de passer. C'est difficile de passer. Donc peut-être si je vois qu'il dort, le seul lion dort, je peux essayer d'aller doucement et rentrer dedans. Petit cow-boy, vraiment, j'ai faim de lui. Je vais faire doucement pour rentrer. Je vais faire doucement aussi pour que le lion ne me voit pas pour puisse rentrer. C'est incroyable. Supposons que la porte là, c'est entre les deux pneus là. Faites doucement et rentrez, je vais voir. Le lion, c'est le brindis devant vous là, l'arbre devant vous. Et vous rentrez. Revenez. Ouais. Le lion s'est réveillé. Tu as fait comment? Je vais sursauter et fuir. Je décale le lion et je passe. Parce qu'il est mort de faim. Il est déjà mort. Super. C'est génial. C'est génial. Ça, c'est super. J'ai dit que le lion, comment? Il est mort de faim. Bon, je passe tranquillement. Il est déjà mort parce qu'il n'a pas trouvé à manger. Donc il est déjà mort, je peux passer. Voilà. Donc, donc selon vous, est-ce qu'il y a encore un danger là-bas? Non, il n'y a pas de danger. Il est mort de faim, il est mort. Mort. Adoui, kakabe, kou quoi. Tu fais comment pour rentrer? Je passe librement. Faut passer, faut pas t'inquiéter, d'accord? Comme il est mort de faim, je vais rentrer sans faire quelque chose. Voilà, il n'y a pas de danger. Vous allez rentrer sans danger ou bien? Il dit, il va faire du son. Il dit, viens, revenez. Troisième et dernière question. Est-ce que vous avez quelqu'un dans la vie que vous pouvez appeler meilleur ami? Oui. Disons que vous êtes deux meilleurs amis. C'est ton ami, tu es son ami. Inséparable. Quand tu l'appelles dans les moments difficiles, il répond. Il ne vient pas à vos funérailles. Est-ce que vous irez à ces funérailles? Oui, j'irai. Pourquoi? Peut-être le moment que moi, pour moi, c'est déroulé. Peut-être qu'il était occupé, mais pris par le temps. C'est pourquoi il n'est pas arrivé. S'il n'est pas venu à mes funérailles, pour lui montrer que j'ai des sentiments envers lui, soit je lui fais confiance, moi aussi, je vais aller. Tu vas? Et je vais aller. Tu vas aller à ces funérailles. Comment tu as fait pour y aller? Tu vas prendre taxi, Zem ou comment? Oui, je vais prendre un taxi pour aller. Si ce meilleur ami-là ne vient pas à vos funérailles, est-ce que vous irez au sien? S'il ne vient pas à mon funérail, est-ce que j'irai à son funérail à lui? Non, parce que s'il ne vient pas à mon funérail, ça veut dire que je suis déjà mort. Et je ne peux plus aller à son funérail. Et vice-versa. Donc une fois que je suis déjà mort, je ne peux pas aller à sa funéraille. Donc s'il ne vient pas, quand je suis mort, je ne saurais pas que s'il est déjà il est là. Je ne peux pas aller parce que moi, je suis déjà mort. Tu es convaincu par ce qu'il dit? Oui. Oui quoi? Je ne peux pas aller. Tu ne peux pas aller parce que... Je suis déjà mort. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. Et puis Daniel dit, tu vas aller comment? Tu vas prendre taxi ou moto? Il dit, je prends taxi. Si ton ami n'est pas venu à tes funérailles, si ton ami n'est pas venu à tes funérailles, est-ce que toi, tu vas aller à ses funérailles? Il dit, non, je ne vais pas aller. Comme il n'est pas venu à mes funérailles, je ne vais pas aller. Je dis, genre,
tu fais comment pour aller à ses funérailles alors que toi, on a fait déjà tes funérailles à toi? Est-ce que vous savez sur quoi il compte? Ah, c'est ça, hein, ça dépend du lanceur. C'est une affaire de lanceur dans ce pays. Yo! Alors, quelle est l'actualité qui vous a marqué cette semaine? On va dire quand même bonjour à Renaud Aïdou. Sa vie, c'est ça. Bienvenue. Parfait. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Parfait, pareil. Écrivain, entre autres. Exactement, entre autres. Journaliste, oui. Et assez engagé également dans les activités associatives et culturelles. Dans un certain nombre de spectres. Et c'est ça. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes là dans... pour le CEMA, qui organise cet après-midi, toujours feuilles et papier. On en est déjà au numéro 35. Feuilles, on parle de feuilles, de livres, et puis de... Non. Feuilles, on parle de feuilles, de aiguilles, de herbes, et puis papier, on parle de livres. Ouais. Et puis dans le livre, il y a des feuilles aussi. C'est ça. Il y a des feuilles. Donc, on parle de feuilles et papier. Et le livre à l'honneur aujourd'hui pour feuilles et papier, c'est Les guérisseurs de... C'est ton frère, il s'appelle Aïe aussi. Hein. Ah bon, c'est une très grande famille à travers toute l'Afrique le Togo de l'Ouest. Et le Bénin. Donc, Aïe Kouéama, effectivement, les guérisseurs. Et donc, pour notre rendez-vous à l'association CEMA, où nous faisons, on va dire, de l'éducation populaire et... à travers la culture, notamment un format comme feuille papier, comme vous voulez le dire, c'est-à-dire présenter un livre et une plante. Donc la feuille, c'est la plante, et le papier, c'est le livre. Et pour cette occasion, aujourd'hui, ce sera donc Les guérisseurs de Aïe Kouéama, vraiment un doyen de l'écriture chez nous. Il est né avant les indépendances et il continue quand même à travailler et à produire. C'est un vieux livre, mais qu'on remet au goût du jour. Vraiment, c'est ça. Pour le faire. Alors, quand on dit Gracie, on dit Aïe Kouéama, comment vous pensez que ce puisse être écrit? Aïe Kouéama. A-Y-I-K-O-E. Pourquoi vous? Aïe Kouéama. Ama, c'est A-M-A. Comme toi. Non, il n'y a pas H à la fin. Donc, toi, tu n'as même pas H pour lui. Pour ça, pour toi, moi, j'ai vu manger. Toi, tes parents sont riches et puis ils ont pu acheter H pour déposer sur ton nom de famille ou bien. Oui, c'est donc, ça. C'est comme ça, pour toi, tu penses qu'on écrit Aïe. Comment on aurait écrit Aïe Kouéama pour toi? A-Y-I-K-O-U-E. Ama, A-M-A-H. D'accord, bravo. Fimé, on peut voir l'affiche pour que vous voyez le Aïe Kouéama. Vous serez surpris, puisque moi, je ne l'ai pas. C'est quand vous l'avez prononcé ainsi que je me suis dit, oui, c'est Aïe Kouéama. Moi, j'ai prononcé Aïe Kouéama. Aïe Kouéama. Tout à fait, oui. C'est écrit A-Y-I, à part, K-W-E-I, pas, et puis Ama, A-R-M-A-H. Il fait les gros yeux, du genre. C'est un peu les bizarreries de la traduction. Traduction, de translittération de nos noms langues. En français. Ou en anglais, c'est fait, ça. Au fait, ça dépend de la langue. Lui, ça doit être en anglais parce que Arma, c'est en anglais. Oui, c'est beaucoup. Lui, bon, c'est, il est de l'espace anglophone. C'est un Ghanéen. Donc, voilà, je ne sais pas si ça dépendait de l'humeur de celui qui écrivait le jour-là. Non, mais est-ce que c'est Aïkou? Il y a aussi ça. Oui, c'est Aïkou. Mais j'aime cette façon d'écrire. Ça fait fashion, quoi. Non, mais sérieux, ça me donne des idées pour mon futur prochain. C'est un petit chamba, il va s'appeler Aïe Kouéama. Ah. Purée. Et puis Aïe Kouéama, comme ça, écrit. Hein. Ah, la classe. L'officier n'est pas suivi, il va vous demander des comptes. Quel compte? C'est son enfant? C'est son nom? Puisque des fois, ils disent que le nom est trop long. C'est un problème, mais où? Ils m'ont fait ça que le nom est trop long. On dit de sortir le test qui réduit le nombre de noms. Faut sortir vite, on va partir d'ici là. Il n'y a pas de texte. Écris tous les noms de mon enfant sur le papier. Et puis, ce n'était même pas beaucoup. Et, c'est quatre. Ibn, Cohen. Et puis, c'était des petits noms en plus. C'est des petits noms. Alors que les quatre, là, ça forme même le nom de famille de quelqu'un à la base. Ouais, tu vois? Et puis, il y a d'autres. Quand on fait les contractions de Philippe, Sébastien, Jean, Claude. Philippe, Sébastien, Jean, Eudes,
Philippe Sébastien Jean-Eudes Grégoire. Tout ça, là, ça va être prénom de quelqu'un, ça. Philippe Sébastien Jean-Eudes Grégoire. Les Béniens avaient les prénoms. Alors que le nom de famille avait ni Amouzolanta Gessou. Et voyons, les noirs, t'es fini. L'enfant va prendre une heure de temps à l'école pour écrire son nom sur la, la feuille de, d'examen. Alors que moi, mon petit garçon, c'est quatre petits noms. Ça fait une, deux syllabes, une syllabe, trois syllabes. Voilà. Mais qu'il y a d'un pronom. C'est pas un chinois. Hing, hong, en yang, syllabe, yang, c'est. Ah, c'est cool. Alors, ah oui, voilà le... oui, c'est la fiche le guérisseur. On ne voit pas trop bien le nom de Aikue Ama qui m'a quand même un peu surpris. Mais bon, bref, c'est quoi l'actualité cette semaine qu'il ne fallait pas rater selon vous, monsieur Aï? J'allais dire, c'est celle-ci qui. Ah, ben j'ai dit ah ben, la semaine passée, là, c'est aujourd'hui. L'actualité qu'il ne faut pas rater, qu'il ne fallait pas rater cette semaine, de lundi à samedi, ou de dimanche, de lundi à 7 heures, c'est laquelle pour vous? Qu'est-ce que vous auriez dit? Vous voulez réfléchir un peu? Oui, mais je vais y penser. Gracia? Parce qu'il y a tellement d'univers. Okay. Hein? Gracia? Ah ah. Dans l'actualité, qu'est-ce qui t'a marqué, toi? Oh, l'ancêtre me fatigue. Rien. Rien ne t'a marqué. Oui, c'est vrai. Il n'y a aucune actualité que tu aies. Oh, Jésus, il faut dire que tu en as plein de Gracia et Gom Ama comme ça sur terre, que tu regardes ça tout le temps. C'est-à-dire, genre, tu es courageux, en fait, c'est Jésus. Tu es courageux. Oh. Et il y a plein de Lys Diamier aussi. Il faut que tu es ici. Je suis la seule Lys Diamier de sa liste. Et on s'aime bien, Jésus, mais on se comprend. Mais vraiment, c'est toi qui as fait ça. C'est ton papa, il a fait Ama, Gracia. Et puis... Oh, Yako, Jésus, toi, c'est comment? C'est une autre, ça. Je vais pouvoir faire quoi de tout ce monde-là? C'est-à-dire que je ne vais même pas pouvoir en faire une salade à manger. Spontanément comme ça, je dirais, je ne sais pas si les Fimo, c'était cette semaine. Je pense que c'était cette semaine. C'est l'autre semaine. La semaine d'avant, bon, voilà. Ouais, c'est la semaine d'avant. Je suis déphasé. Non, pas vraiment. Je ne sais pas. Il y a eu l'actualité, même peut-être. Bon, pour moi, bon, là, tout de suite, je dirais, pour la tenter, je dirais, je crois que c'est Superwoman, Wonder Woman de mon camarade. Julio Tepo. Julio hier. C'est hier à Onomo. Ouais, ouais. Donc, ouais. Moi, je dirais ça spontanément. Après, bien sûr, notre événement de ce soir. C'est une forme de chauvinisme. Oui, oui, assumé. Bien assumé. Bien sûr. Fier. Non, mais cette semaine, depuis le 15, les populations ne sont pas. Bien qu'informées, elles ne sont pas trop contentes, mais après, il faut quand même. On ne fait pas de deux sans casser. Okay, on ne fait pas, les œufs. On ne fait pas d'omelette. Où est-ce que j'ai laissé le téléphone de Lbala? On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, je veux dire. Sous la chaise. C'est sous la chaise. C'est encore tombé? Permettez-moi de sortir, s'il vous plaît. Il vous souvient, c'est comme ça qu'on faisait à l'école quand on devrait sortir, aller au petit coin. On dit, permettez-moi de baisser, de ramasser le téléphone. Donc, c'est jeudi ou mercredi ou jeudi, les agents des mairies ont encore sillonné la capitale pour... On a cassé beaucoup quand même. Oui, mais par endroits, ça peut paraître triste quand tu assistes à la scène comme ça, mais les populations étaient informées. Bon, je ne sais pas informer, on peut informer les gens de beaucoup de choses, mais c'est... Je crois que c'est Maman Tamé à une époque qui disait accompagnement des. Vous voyez pourquoi pour moi il n'y a pas d'actualité. Accompagnement des. Non, si, mais des gens. Il y a de l'actualité. Oui, qu'on casse un des hippies, mais il n'y a pas de. Est-ce que vous êtes sûr qu'on ne leur a pas donné d'alternative? Est-ce qu'on ne leur a pas dit quitter ici et là? Ce qu'on peut dire pour se victimiser. Oui, voilà, mais moi, ce que je sais, c'est vrai que je ne maîtrise pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais est-il dit que ce genre de décision ne peut jamais être prise d'une manière active? Il n'y a pas un événement qui oblige à rendre. À déguerpir les gens comme ça. Donc, vous qui pensez qu'il y a. Vous êtes pas dans le secret des dieux. Oui, hein? justement. Si un événement concerne la population et qu'on demande à ce qu'on déguerpisse d'une manière urgente, il faut que tout le monde soit informé. Il faudrait que tout le monde soit informé de ce qui se prépare. Bah oui. Déjà, donc, l'autorité vous dit depuis des mois
Je crois que c'est sorti quoi, en octobre, oui. Que à partir du 15, et puis la date était bien donnée, du 15 février, vous libérez les trottoirs. Et puis, même au 15 février, je pense qu'on a encore donné une semaine. Non, oui. on a encore donné jusqu'au 22. Le 15 février, ça dépend de la mairie. Il y a certaines mairies dans lesquelles, au 15 février, les déguerpissements ont commencé. Mais l'autorité publique a demandé à ce qu'on y ait avec beaucoup de pédagogie et de tact. Mais, regardez-moi, j'ai mis le tout vide là. Non, c'est tout à fait normal. La population est toujours réticente à certaines. Le changement vient toujours difficilement. Mais moi, ce que je me dis, c'est que, et c'est ce que je voulais dire, je ne sais pas s'il y a eu des études d'impact en amont en termes sociologiques et anthropologiques et même psychologiques. Oui. Avant de commencer, c'est une belle chose de faire partir, d'embellir la ville, mais au même moment, si on se rend compte que le mois de janvier est toujours un mois difficile et que le mois de février, les gens commencent pas à se reprendre et que c'est à ce mois de février-là que les gens doivent dépenser encore pour changer des lieux et autres, disons que ce n'est pas facile. Une date, c'est une date, oui, mais elle a l'impact sur l'économie. Il y a beaucoup de choses sur la ligne. Ceux qui fabriquent les conteneurs là ont fait des dépenses pour acheter le matériel. Mmh. Ceux qui transportent ont fait des dépenses. Et ceux qui installent, c'est tout ça, c'est toute une chaîne qui est en train d'être, pas pénalisée, mais qui doit se refaire. De convertir à autre chose. Et en 6 mois, je ne crois pas que ce soit facile à ce que les gens puissent vraiment se reconvertir. Maintenant, des gens quittent, je suivais une radio, les gens quittent pour aller dans les vents. Et sans demander l'autorisation aux propriétaires, là. Des maisons avant de s'installer sous les murs. Donc, ça devient un autre problème qui se crée dans ces vents-là. Et l'autorité dit bientôt, nous irons dans les vents pour vous faire des gâteaux. Oui, l'autorité a dit que c'est aux abords de la voie publique, des grandes voies. Mais est-ce qu'on n'a pas constaté par endroit, bon, c'est l'appréciation des ruelles qui peut changer. Parce qu'il y a des lieux où les gens supposent être en ruelle, pas au bord d'une grande voie. Mais ces personnes ont été aussi sommées de disposer de déguerpir. Est-ce que c'est appliqué en fonction de la commune dans laquelle on se trouve? Ou bien, c'est-à-dire l'appréciation de la grande voie et de la ruelle autorisée, est-ce que l'appréciation varie d'une commune à une autre? Je suivais une radio, je pense que c'était en décembre, ils ont parlé aussi des ruelles. Et par contre, il y a une radio sur laquelle une autorité a dit qu'on ne rentre pas dans les ruelles. Mais non. Les ruelles sont pas. Alors, quelle information vous avez eue ? On a un peu l'impression quand même qu'il y a une certaine dissonance de parler de ruelles. Est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de ruelles ? Moi, par exemple, au niveau de Tottenham, j'ai vu des établissements se faire casser alors que ce n'était pas en bord de trottoir. Il y a quasiment 10 mètres entre la voie. Donc, je ne sais pas très bien quelle est la logique. Et puis, il faut tenir compte de la sociologie réelle de nos pays. Hein. Mm-hmm. Comme le faisait remarquer un ami dans la semaine, on n'a pas l'habitude d'aller au marché pour acheter certaines choses. Tout le temps. Le commerce de proximité sert beaucoup. C'est ça. Donc, je ne sais pas quel... Je ne sais pas si vous prenez un conseiller de McKinsey ou je ne sais quel consultant qui vient avec son attaché case de New York ou de je ne sais où pour donner certaines choses. Il faut comprendre les réalités. Il faut quand même remettre ça dans la réalité. Je ne sais pas encore quand quelqu'un ira, par exemple, au marché pour acheter à Imolu, quoi. Donc... Oui, c'est pas évident. Comment Koliko et à Imolu, tout donc, ça vous voyez, par exemple, vous parlez de Todman, il y a, sur la voie là, il y a un endroit où quelqu'un me disait que la mairie leur avait dit de ne pas dépasser la limite des arbres plantés. Voilà. Lui, il a fait son auvent. On vient lui dire de casser l'auvent. Mais la personne est dans la limite de la mairie. Oui, mais la mairie revient lui dire, l'auvent là, avec ce que l'autorité a dit, de casser son auvent, mais qui ne dépasse pas la limite que la mairie antérieure. Avait fixée. Sur au niveau du boulevard Yadema, entre le trottoir et la maison, c'est pratiquement 20 mètres. Oui, c'est bien. Non. Et on casse aussi. Et même pour on a dit aux abords des grandes routes, on va casser. Oui, là, c'est-à-dire tant que c'est aux abords des grandes routes. Donc on parle de trottoir, donc on parle d'encombrement de trottoir, donc on parle des grandes routes. Maintenant, il faut qu'on comprenne, est-ce que c'est le désengorgement des trottoirs? Parce qu'il y a par endroit, effectivement, où le piéton ne sait pas à quel sens se vouer. Les marchandises sont sur le trottoir, c'est vrai, et même les vidéos de sensibilisation qu'ils font
ça montre ça. Ça, ça s'entend, ça se comprend. Ouais. Mais il faut que l'on comprenne. Est-ce que c'est les abords, c'est des encombrements de trottoirs simplement, ou c'est rendre propre tous les abords de grandes routes? C'est deux choses différentes. Ouais. C'est deux choses. Mais on a comme l'impression que c'est mettre propre les abords des grandes routes. Mais est-il dit que l'idée en elle-même n'est pas mauvaise en soi. Oui, il faut rendre propre. Monsieur le principe, tout le monde est d'accord. Maintenant, moi, je me dis, certaines, si on ne commençait pas à désengorger les trottoirs, on dit que la première étape, désengorger les trottoirs. Deuxième étape, faites rentrer vos bagages, vos marchandises, ne n'installez plus les marchandises sur les routes. Et puis, ainsi de suite. Il y a aussi le fait que si les gens aujourd'hui s'abonnent aux conteneurs, c'est parce que les magasins loyers, deviennent de plus en plus chers. De plus en plus chers. Donc, on doit revoir aussi les loyers. L'État a pris des textes concernant les baux commerciaux, mais dont l'application est compliquée. Peut-être avec cette politique, on va revenir à l'application de ce texte qui existe. Mais les conteneurs, ça ne coûte pas 2 francs. Hein. C'est le million, c'est 500 000 minimum pour les plus petits. Ça passe le million. Donc, des gens font quand même des prêts pour s'installer. Oui, mais si je fais 1 million de prêts pour louer une boutique et que chaque mois, je dois encore payer, et surtout que le loyer de la caution de 3 mois et la caution de 3 mois et les garanties de 6 mois ne sont pas respectées partout ailleurs, ce qui voudrait dire que je dépenserais 1 million pour donner en caution, et 3 mois après, je vais commencer par payer peut-être 100 000. Et puis, égale à fiancée, ce n'est plus ton acquisition. Alors que mon petit conteneur là-bas, bon, je me dis... Ça t'épargne le loyer. Tu peux peut-être que l'espace que tu as loué pour poser le conteneur. C'est ça. Donc c'est... Maintenant, après, c'est savoir s'il n'y a pas des propositions qui leur sont faites. Vous savez, il n'y a pas des propositions qui leur sont faites de migrer à des endroits précis. De tout ce que j'ai entendu, ces commerçants disent qu'il n'y a pas de... Pour se victimiser, on peut tout raconter aussi. Hein. Non. Bon, peut-être demander par exemple, regardez, pour le grand marché, quand on leur a demandé de migrer vers Aguadaron, ils disaient tout ça, que bon, on leur a demandé de migrer vers là-bas. Mais là, c'est clair, les gens ne sont pas habitués à aller là-bas. Comme les gens sont habitués à aller au grand marché, les gens sont restés là-bas. Voilà. Donc, je pense que... Si on les dégarpille aujourd'hui du grand marché, ceux qui sont aux abords du chantier du nouveau bâtiment qui se construit, au grand marché, il leur a été demandé de dégager aussi ceux qui ne sont pas dans des magasins, dans les boutiques. Ça va être compliqué. Oui, mais eux, déjà, on leur a dit d'aller à Aguadaron. Mais depuis longtemps, c'est de la résistance que ça faisait au marché là-bas, en s'installant. Mais est-ce qu'Aguadaron est assez grand pour accueillir tout le monde? S'ils sont allés là-bas, ils n'ont pas trouvé de place pour s'asseoir. Est-ce que tout le monde peut s'offrir un magasin à Aguadaron? Est-ce qu'on a dit que tout le monde va être dans un magasin? Oui, mais la tradition du marché, par exemple, quand on prend le grand marché, c'est depuis l'époque coloniale que les gens s'installaient là-bas. Et c'est dans la rue. Et c'est l'habitude là qui a transformé là-bas vraiment en grand marché. Justement, et ça devient culturel. C'est culturel. Le grand marché, c'est quoi? Juste le grand marché, ce qu'il faudrait faire, c'est de... C'est déjà pratiquement fait. On doit interdire... L'entrée des véhicules et des motos. C'est aujourd'hui, bien fait aujourd'hui. Aujourd'hui, les motos ne passent pas, mais les voitures passent. On doit interdire même les véhicules, sauf les véhicules de transport de marchandises qui doivent aller. Et il doit y avoir des heures précises pour aller. Approvisionner les Et puis c'est fini. Là, c'est culturel. On va les gens, c'est un peu comme nos bazars là, mais ça fait partie de nos réalités. Ouais. Et même les avocats policiers, quand on était enfant là. Oui, mais il y en a plus vraiment maintenant. Oui, les avocats policiers. Il y avait ça. Avocats policiers, c'est dans les coins de rue. Littéralement, c'est le marché de pagne sale, c'est-à-dire que c'est des marchés de quartier ou même dans ton pagne de maison, tu fais ton ménage, ton pagne, tu n'as pas besoin de te saper avant de sortir, quoi. Que dans ta tenue de maison, tu peux juste sortir et aller rapidement t'acheter. Aujourd'hui, il y a plus d'avocats policiers. Il y a plus vraiment d'avocats policiers. Donc, il faut se déplacer, mais loin, même pour acheter, comme vous le disiez, comme à Imolu. Ça va être quand même beaucoup compliqué. C'est pas un peu, c'est beaucoup compliqué. Surtout pour les Imolu et les comme là. Il faut tenir compte de la culture, du rapport même qu'on a à l'espace et ou le rapport qu'on a au fait d'aller acheter certaines choses. Et s'il y a pas, si c'est l'autorité ou les experts ne sont pas en phase avec la philosophie et la culture profonde des gens,
ça va, il y aura des frictions. On aura beau faire des textes, dans la réalité, ils auront du mal à être appliqués. Et donc, il faudra forcer les gens et tout ça, et c'est pas forcément l'idéal. Vous voyez, mais bon, voilà, je ne sais pas trop, je ne suis pas totalement... Oui, mais on est en train de réfléchir à quand, quand vous prenez le marché d'Aguasillé ou le marché d'Aveta et autres, et des marchés périodiques, et quand ça s'anime, c'est pratiquement toutes les rues qui sont envahies. Ouais. Mais là, on leur interdit. On doit interdire que les gens... De s'installer sur la grande route. Des fois, quand vous passez par Assier le jour du marché, vous voyez la difficulté qu'il y a à circuler. Oui, mais le marché là existait comme ça avant que la rue ne vienne. Non, la route était... Non, la route. Je parle de... Quand on fait les lotissements... Quand on fait les lotissements... Non, je t'explique. Quand on fait les lotissements, on trace... Que Fia et Montofia, il y a une route de machin qui passe par ici et on donne rien pour que Miaou assiste. Voilà, Lys, c'est ce que c'est ce qu'on nous dit, c'est-à-dire que il y a l'aspect culturel. Prenons le cas d'Aveta. Par exemple, tous les marchés de l'air, Niglé, autres, il y a beaucoup de marchés qui s'animent les nuits. Parce que les gens reviennent du champ d'abord avant Ils reviennent avec les produits agricoles. Et quand tu vas, par exemple, à Diakblé, à Veta, c'est à partir de 16 heures que le marché s'anime. Et c'est parti jusqu'à 20 heures. Et c'est au bord de la Nationale 34. Oui, mais ça a fait des dégâts récemment. Vous avez vu un titan qui a déraillé, qui est rentré mais là, là-dedans. Qui fait ça les dégâts? Ça a broyé plein de personnes. C'est les chauffeurs qui conduisent mal. Ou c'est les gens qui sont au mauvais endroit. Oui, mais les chauffeurs aussi doivent. C'est-à-dire que c'est compliqué à résoudre. C'est pour cela que il faut vraiment s'aligner avec la culture à un moment donné. La culture et les lois souvent sont censées être le reflet aussi de la façon dont le peuple fonctionne. Chez nous, on a ce qu'on appelle Asigbé. C'est le jour du marché. Oui, le jour du marché. C'est peut-être jeudi ou mercredi ou mardi. Ou bien tous les 5 jours. Et voilà. Et donc en réalité, la loi est censée être le reflet de ça. On codifie. La loi prend en compte cette réalité et on codifie, on arrange, on voit comment on peut perpétuer ça sans dégâts. De façon ordonnée. Et ça, c'est un peu le problème de nos pays qui ont encore un très lourd héritage colonial. On n'a pas totalement décolonisé nos institutions. La façon dont on pense même le droit. Le droit... C'est pensée française, c'est pensée coloniale. En réalité, et même nous qui avons été à l'école, on est quand même parasité par ce genre de choses. Et qui fait que quand on jette un regard sur le village, comme on dit, ou la périphérie, on a des regards en fait d'étrangers. On n'est pas habité par ces choses-là. Et donc, certaines choses ne nous semblent pas évidentes, tu vois. Si c'est un fils du pays, bon, je ne sais pas, le fils du chef d'un village, par exemple, tu lui demandes comment tu organiserais au mieux la vie, va te dire, bon, jeudi, je sais que tu l'as jeudi, c'est le jour de marché. Donc, je dis, voilà, les voitures se garent ici. Oui parce que lui, il connaît les réalités. C'est ça. Même si c'est quelqu'un qui débarque de quelque part, qui vient, il va se dire, à Paris, il y a les marchés occasionnels par semaine, on va faire le centre du marché au milieu là-bas. Voilà, c'est les fourreaux. Je pense quand même que ces grandes choses se reflète encore dans la façon dans le rapport qu'on a encore à certaines de nos institutions. Ouais. Et c'est un des débats plus profonds. Mais on voit quand même les symptômes dans ce genre de choses. J'espère qu'avec un dialogue entre les populations... Aujourd'hui, on est dans un contexte de décentralisation. Et d'ailleurs, même les maires, pour aller demander maintenant des taxes aux gens à qui ils ont cassé les conteneurs, j'ai envie de voir ça. Ils vont demander où? Parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui se sont installées jusqu'à récemment. Il y a des communes qui donnaient encore des autorisations d'installation. C'est ça. Et c'est ce qui paraissait bizarre. Il y a gens... Bon, tant que l'autorité te donne l'autorisation pour t'installer, c'est que là-bas, il y a un crédit pour là, tu n'es pas menacé. Et tu fais ton prêt, tu t'installes, et puis après, il faut déguerpir le... C'est compliqué un peu quand même. On a cassé le conteneur de quelqu'un, une revendeuse de bouillie. Elle serait partie plutôt qu'on lui aurait pas cassé son conteneur. Non, c'est la revendeuse qui a fait partie de son conteneur. Maintenant, on lui dit, tu peux quand même vendre là-bas sans conteneur. Sans conteneur. Elle te pose la question, maintenant, quand il pleut, tu fais comment? Elle dit que tu peux vendre, mais ne mets pas de conteneur. Mets ton parasol et puis tu vends. Donc, le conteneur est parti. Mais là, c'est un gros problème. Où paquer les conteneurs, où les stocker, où les garder, et puis où reprendre l'activité. J'avais pas vu cet aspect-là quand vous parliez de la période. Parce que c'est vrai, période de fête,
que les commerçants peuvent avoir fait des chiffres, c'est vrai, mais janvier, c'est un peu chaud quand façon, même. Un peu chaud. Et puis, à peine on tombe en février, et puis il faut imaginer la construire, détruire est aussi cher que construire. Hein. Payer pour faire enlever un conteneur, ah oui, voilà. Payer pour faire déplacer une baraque, c'est de l'investissement. Donc, vous voyez, les gens vont se demander, donc il faut que je paye quoi, 50 000 pour la grue, comme ça, pour venir déplacer le conteneur, alors que c'est des réflexions. Mais où on est là, ce n'est pas maintenant qu'on devrait faire ce débat. C'était avant le 15 février. C'est vrai. C'était avant le 15 février. Mais bon... Enfin, on verra bien. Bon, on va se dire avec optimisme que c'est un exercice, que bon, on va ajuster les choses, qu'il y a un dialogue permanent avec la population. Et puis moi, je sais juste... Bon, Mais le plus pertinent, c'est oui, allez-y. C'est juste que pour ce genre de grosses décisions à prendre comme ça, on lance toujours des rumeurs pour voir la réaction, pour prendre le pouls. Et les rumeurs permettent là d'étudier la psychologie. Ils ont dû faire ça. Parce que cette information, elle est sortie depuis 2022. Oui, depuis plusieurs mois, on savait que février, 15 février. Oui, ça dit que quand on lance les rumeurs, c'est comme un débat national qu'on lance dans le public. Et puis, il y a des gens spécialisés qui recueillent les informations, réétudient avant de voir comment l'appliquer. Et si moi, on ne peut pas collecter les informations, les étudier et voir exactement ce que la population veut. On sait que la population est réfractaire au changement. Les gens ne veulent pas que les choses changent. Mais tout le monde sait que c'est bien pour nous. Mais là, comment faire pour trouver un compromis? Et le compromis, là, c'est que je déménage, mais je suis content de déménager. Pas patriotisme, je suis en train de perdre... Ou alors je vois, oui, même patriotisme, mais il faut payer les factures. Bien sûr. Patriotisme, mais j'ai une solution. J'ai une solution. Il y a une alternative. C'est l'alternative. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que c'est l'alternative qui manquerait. Et ailleurs, on prend même les bombes là pour écrire sur le contenu à dégager. Ça fait aussi de l'argent que les mairies dépensent pour écrire à dégager sur les contenus. Oui, mais les à dégager, c'est avant le 15. C'est des kiosques qui sont posés sans autorisation. Je parle du budget d'acheter les bombes là et écrire à dégager. Oui, Marie, c'est pas... Et l'énergie, tous les agents là qui se déplacent avec le véhicule et écrire là, c'est de l'énergie, c'est de l'argent qu'on dépense. Des contribuables. Qui va cotiser? Les mairies ont un problème particulier, c'est qu'elles ont besoin de ressources. Et souvent, c'est le contributeur direct. C'est les taxes comme ça, oui, qui servent. Je ne sais pas si tout ça a été... Oui, mais après, est-ce qu'Aimolto paie forcément taxe? Aimolto devrait payer taxe. Elle un peu plus enclin à payer si on l'avait laissé là. Aimolto doit payer. Mais bon, c'est tout ça, on est en train de faire l'expérience. Ça va prendre quelques années, il y aura des ratés comme ça, je pense, où on va découvrir les solutions. Mais l'Afrique est bien plein, mon lion. C'est sûr qu'au moment, on n'ira pas au marché acheter ça. Ça c'est sûr. Attends, je ne vais pas acheter à Aimol 500 francs, je vais prendre 5 millions les retours, 300. Voilà, c'est ça. Donc, non, mais... Ça, c'est sûr. Bah, abusé. Ça, c'est sûr. Que même à Aimol, la Simori. Alors, à moins que Assia, ce n'est pas loin de chez toi. Voilà. C'est... Que j'habite à Vemaria, que je dois aller au marché de Dijoli ou bien au marché de Dogon pour acheter à Aimol. Ça ne se passera pas. À Aimol, on va le décider. Alors, quand t'as pris Galia, j'aurais acheté Galia sucre et puis j'ai resté chez oui, moi. Oui, mais là, si mais tu remarques, faut acheter. Non, ce sont des petits commerçants de il faut dire que moi, c'est des choses qui font le charme de Lomé. Par exemple, quand tu vas dans d'autres pays, je sais pas, au Sénégal par exemple, ou même au Ghana, c'est pas évident de trouver à manger facilement comme ça. Et c'est pour ça qu'on nous fait ça ici aussi. Hey, on veut devenir joli. C'est pas vous qui revenez vous dire, oh Ghana, Chaque ville a une identité. Dans la vie de tous les jours, c'est pas évident. Tu dis, allô, je peux marcher pour acheter une pomme ou. Bah oui. Non, à un moment donné. Il n'y a pas, Il n'y a pas les bonnes dames, comme on dit. Et donc, c'est pas pourquoi vous dites que les villes là sont belles, non? Dans la construction des villes de Lomé, l'autorité avait prévu la mixité sociale, où les riches et les pauvres peuvent cohabiter. Normalement. Ce qui voudrait dire... Il n'y aura pas de bidonville, quartier des riches et quartier Donc, ce qui des... fait que pratiquement tous les quartiers de Lomé se ressentent. Il y a l'étage en haut et puis le machin en bas. Ce qui voudrait dire que ça fait la spécificité de la ville de Lomé. Et vous remarquez que
pratiquement chacun, riche comme pauvre, fait l'effort d'avoir une petite boutique. Oui, forcément, tout le monde veut faire un petit commerce. Oui, une petite tu boutique. Tu conduis ta maison, fière ses viennes, oui. Oui. Donc c'est culturel. Oui, et maintenant, si tu as la boutique, c'est bon. Oui, et la revendeuse, mais... et la revendeuse qui n'a pas sa boutique et qui est en location et qui sort son petit truc au bord de la route, c'est aussi culturel. Donc, c'est qui a amené les gens à commencer par faire les conteneurs parce qu'ils se disent que déplacer tout le temps effets, autant faire un petit conteneur et puis alimentation générale, je ne peux pas avoir la boutique, mais j'ai mon petit conteneur. Et ça commençait par prendre quand même de l'ampleur. Avec l'autorisation des municipalités. Bien sûr, parce qu'on ne mettait pas les conteneurs sans autorisation. Voilà, donc ça veut dire que c'était pas sur... Ça voudrait dire quoi? C'était pas sur le long terme qu'ils avaient prévu... Que les municipalités interdisent de donner l'autorisation d'abord. Déjà, et commencer par dire à ceux qui ont l'autorisation que vous avez peut-être un an, puis ça expire, et puis changer. Et les gens savent en même temps que j'ai investi... Une dégbona. Maintenant, on dit, c'est l'autorité qui a dit, et puis... En tout cas, il faudrait une forte communication, très très forte communication entre les différentes parties pour que ça soit... pour qu'on puisse bien gérer les choses. Quoi. Mm-hmm. Communiquer énormément entre les différents acteurs. Bon, j'ai envie de voir la suite quand même, comment ça va se passer, si on va avoir des alternatives. Non, c'est pour la bonne cause. De toute façon, ça rentrera dans l'ordre avec le temps, ça c'est sûr. Oui, ça rentrera dans les Mais le prix à payer, c'est ça. Ça va créer un autre problème si on ne trouve pas de solution. Le problème est déjà là. Parce que si les commerces, les petits commerces qui peuvent être détruits, mais il y a bien des noms du NEA et Fingbaba explosés. Mais les braquages, les banditismes, parce qu'il y a des mauvais esprits qui ne trouvent que, qui n'apprécient que la solution la plus facile. Quand il n'y a plus d'activité, ben, il veut venir partager pour toi. Oui, mais la plupart de ceux-là, c'est les femmes, c'est nos mamans. Oui, mais donc ça voudrait dire que la conséquence est sur le panier de la ménagère. Complètement. La première conséquence est ça, parce que c'est nos mamans qui ont les petits commerces là, qui aident, qui supportent et qui aident leur mari. Mm-hmm. Et si elle doit prendre peut-être un mois pour se refaire, juste un mois pour se refaire, ça voudrait dire... Est-ce qu'elle va se refaire? Parce qu'il y a des commerces dans lesquels, quand on dit... pour ceux qui vivent sur ce qu'on peut appeler le day by day, que c'est Gbola Doua. Mais sur une semaine, sur deux semaines, la personne ne vend pas, c'est le capital directement. C'est ce que je dis. Parce qu'il y en a qui sont sous prêt, il faut toujours continuer, pas payer les quantités journalières. Donc tu sors du capital puis, qui n'est plus fructifié. Et puis il y a des gens qui paient dans les microfinances par jour. Pour deux mois, c'est fini. Et c'est ce que Nari, on commençait par bouder parce qu'on ne peut plus payer aux microfinances parce qu'on n'a plus nos conteneurs. Il y a plus d'activité, l'activité ne tombe plus. Et c'est sur le panier de la ménagère, c'est beaucoup. Bon, tout ça là, je sais que l'autorité ne peut pas ne pas y avoir pensé. C'est clair. Oui, logiquement. Donc, pour y avoir pensé, quand vous disiez... On attend de voir la suite. Tout en sachant qu'il y a Molou là. Et comme là. On n'ira pas acheter ça au marché. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à moins qu'il y ait une vendeuse qui sort au marché depuis qu'on aime et que connaît. Sporadiquement, des fois, on passe acheter. Ouais. Mais si on déplace mon Aïmolteur, mon Colicoteur. Ça ne. Non. Et mon Comteur à côté pour aller au marché. Peut-être qu'ils vont assurer des navettes dans les quartiers. Aïmolou navettes. Pas passer les matins, mais c'est quand même chaud. Oui, c'est chaud. Mais après, moi, cette semaine, quand j'ai vu ramasser, je me suis dit des fois, Agbeto, tu as des tomatrices quand? Tomatrices qui? Les gens habitent trop dans le tomatrice quand, quoi. On a dit de libérer les trottoirs, ou bien, toi, tu es tapissier. Tu fais ton salon que tu exposes sur le trottoir. Et le salon est là-bas. Jusqu'à mercredi. Maintenant, les agents de la mairie viennent, on ramasse le salon. Tu as venu pleurer. Non, toi-même, dis-moi, tu as pleuré. C'est sur le trottoir. Et vraiment là où ça y est, là, c'est trottoir. C'est même pas comme si on peut s'asseoir là-bas quand on est fatigué, on passe. Mais tu n'y as pas ramassé. Oui. C'est là qu'on ramasse, on part. C'est que tu... Il y a aussi des gens...
quand tu tournes jusqu'à, tu dis, toi aussi, tu dis, this man, he no loves peace. C'est comme... This guy, he loves trouble. Il y a des gens qui aiment les troubles, quoi, les gens qui ne sont pas disciplinés du tout. C'est comme après Todd Mann, là. Est-ce que je réfléchis toujours à Après, Todd Mann, on va vers disons, entre Todd Mann, oui, on va vers Atikoumé, vers... Oui, sur les pavés, oui, après champion et c'est avant. Ça. Ah, ça, c'est un bel... Oui, il doit partir, ça dit que sur les pavés, là, il y a un monsieur, un menuisier qui... Maintenant, quand on a mis les pavés... Il a bien remis. Ça peut pas être mieux. Mais lui, il doit comprendre que c'est quand même le pavé et c'est destiné à la circulation. Oui, mais là, il vient étaler ses meubles là-bas. Où est là? Que c'est vrai qu'on ne peut pas aller. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans les détails. Il y a plusieurs philosophies, des choses. Le citoyen n'a pas forcément le même rapport à l'intérêt général, à, par rapport à son propre intérêt, par rapport à l'autorité publique, par rapport au maire, tout ça. Je pense qu'on apprend tous un peu. Il y en a beaucoup même. Le pouvoir, l'État, ils essaient de vivre en marge de ça autant que possible. Oui, oui. Tant qu'ils peuvent contourner toujours c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, déjà, avoir une compréhension commune de la disposition, hein. Est-ce que c'est des engagements des trottoirs ou bien c'est libération et... Quel est le mot qui vient de rendre propre? Il n'y a pas appropriissement. Propreté des abords des grandes routes. Est-ce que c'est des engagements des trottoirs ou bien libération complète des abords des grandes routes? Est-ce que c'est seulement les grandes routes? Ou alors les ruelles sont dedans, ou bien c'est fonction des mairies. Une mairie peut décider que moi, je rentre dans ruelle, et l'autre mairie va dire non, je ne rentre pas dans ruelle. Il faut qu'on puisse avoir une compréhension claire pour qu'il n'y ait pas rupture d'égalité entre les citoyens je sois dans cette commune ou bien dans cette autre commune. Ouais. Il faut que je puisse me dire que j'ai le même traitement. Voilà quoi, on est tous des mêmes Togolais. Tout en sachant qu'en tant que maire, tu es appelé à être réélu. Donc... oui. Hein. Et tout en sachant que même si tu sais que tu es appelé à être réélu en étant maire, tu n'es pas souverain dans ta république communale. Tu es juste dans une mairie, tu n'es pas dans ta république. Et que les textes de la république priment sur les textes que tu auras pris dans ta mairie. Parce qu'il y a quelqu'un aussi là-bas qui doit se faire élire en haut de toi aussi. Il y a quelqu'un aussi là-bas qui doit se faire élire. C'est ça. Beaucoup, beaucoup de courage quand même. On en rigole, mais c'est des larmes dans certaines maisons. Oui, c'est des proches, c'est des frères, des tantes. Oui. C'est beaucoup de douleur. On essaie de prendre ça légèrement parce que AVC, vous savez aussi, a décentralisé ses services maintenant. Si vous ne savez pas prendre trop à cœur certains sujets, ça n'arrangera pas votre humeur, votre énervement, n'arrangera pas votre situation, ça ne fera qu'aggraver. AVC vous servira rapidement. Donc, essayez de prendre les choses mollo, puis zen, et l'esprit plus posé, vous évaluerez mieux pour savoir comment tirer le meilleur parti, comment vous en sortir le mieux possible de la situation. On est de cœur, beaucoup de compassion pour toutes les personnes qui sont en peine. Mais demain, c'est nous tous qui serons plus fiers de notre capitale aussi. Voilà, c'est ça. Radio, c'est à quelle heure aujourd'hui? 15h30? À partir de 16h, oui, de 16h à 19h. C'est pas qu'on va revenir encore chez vous. À l'heure que je donne là, je suis partie comme ça du coq, je suis tombée sur le pouls. voilà, c'est l'événement de ce soir dont je parle. Oui. Feuilles et papier. Oui, donc ça, c'est de 16h à 19h, où est la Prime, c'est pas très loin du dépôt Ebomaf qui est à Zanguera. Vous pouvez déjà, il y a une info line, donc le 91 12 63 16, pour contacter, avoir des détails. Donc, la Prime, on va discuter un peu d'un trésor de chez nous, c'est-à-dire Atakou. Qui suscite un peu de fantasme aussi. Atakou, quand on te voit, tu tiens Atakou, ça renvoie la spiritualité sur l'eau, au mou. C'est juste une épice. Oui, oui, avec quand même ce à quoi elle renvoie dans l'imaginaire collectif chez nous. Comme vous le disiez, on s'en sert quand même dans certains rituels. Oui, mais c'est bien. Quand tu fais la bouillie avec... Je vais vous montrer comment on fait la bouillie. Tu fais la bouillie de Ama, et la farine fermentée. Ou la srama, qui est un coup srama, quoi.
tu fais la bouillie comme on fait la bouillie. Tu mets des graines d'atakou et puis tu mets écho aussi dedans. Écho, comment on appelle écho en français? C'est poivre africain. Écho, ça. Écho, il y a le bol qui est moins lourd. Oui, c'est poivre. Poivre africain. Pourquoi africain? Je ne sais pas, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je fais. Donc tu mets atakou et écho dans la bouillie blanche de Hama. Si tu veux, si tu veux, en famayant, tu peux mettre, je sais pas, tu prends un petit piment et tu écrases le piment là, et puis tu famas avec, tu malaxes le ama avec le piment là, mais ça dépend de la quantité, et tu fais ta bouillie, et vers la cuisson, quand c'est presque prêt, tu mets écho. Et puis, attaque ou dans la bouillie. Et tu prends cette bouillie. Ma grand-mère paie à ton âme. C'est trop bon. Au moins 8 ans. Justement, c'est ça, poivre long africain. Poivre long africain. C'est écho. C'est parce que nous, maman, on ne lui a pas donné. Bon, on ne veut même pas lui donner un nom. On va dire écho. Les blancs aussi n'ont qu'à dire écho. C'est ça. Écho, poivre long africain, comme vous l'avez, écho. Et donc, Atakou aussi, dans ça, ça fait plein de choses, c'est vrai. Oui, oui, donc on va avoir le plaisir d'en discuter avec le prince Asrafo de Togo. Il a fait une figure quand même assez connue pour sa connaissance, justement, de nos savoirs endogènes, voilà. Et tout ça. Donc, on va creuser un peu le sujet. C'est intéressant parce que le livre, justement, les guérisseurs d'Aikoyama, ça parle aussi d'une, on va dire, d'un groupe, d'une caste de guérisseurs, justement, ouais. Dans le contexte de l'effondrement de l'Empire Ashanti face à la colonisation anglaise. Donc, c'est vraiment le rapport que l'Africain de l'époque avait avec sa culture face à un nouvel occupant. Et donc, il fallait discuter de la question de la désunion, de la fragmentation, parce que pour eux, dans le livre, bon, on va en parler ce soir, c'est que le vrai poison qui a détruit l'Afrique, c'est la fragmentation, c'est la division. C'est clair. Et donc, l'antidote, c'est au contraire de ressouder les gens. De se remettre ensemble. Voilà, de créer des ponts. C'est clair. Et donc, c'est un peu cette dimension-là, entre notre culture, face à la modernité, qu'on veut revisiter ce soir, avec un auteur, un très grand nom, hein, même si on ne le connaît pas forcément ici, parce que bon, notre espace anglophone, francophone, qui est Kaikuyama, avec je pense, l'un de ses trois livres les plus connus, même si on continue à produire. Donc, venez nous voir, on va passer 3 heures ensemble à discuter, échanger, apprendre ensemble sur ces deux trésors de l'Afrique, c'est-à-dire Atakou, d'une part, et puis un auteur ghanéen, africain, du Ghana, on va dire, Aikoyama, qui est presque compatriote. Même voilà. Si oui, c'est un compatriote. Ghana et Togo, tu vois. Oui, et Aiko, il est forcément de la région de la Volta. Exactement. Il est de la Volta region. Forcément. Donc, tout ce peuple fantais. C'est l'autre là qui a tracé entre nous là, la commande de Berlin. Il a pris là, il a dit. Non, c'est désormais celui-là. Non, Versailles, traité de Versailles. Ok, c'est comme tu veux. Ils ont pris, là, oui. On trace. Sans tenir compte de qui vivait là. Quelqu'un te regarde. Et puis ils ont tracé là. Quand ils ont tracé, moi, c'est passé dans ma maison. Ça a laissé la cuisine ici, ça a laissé les toilettes ici. Ouais. Dans la même maison. La cuisine est restée là. Les toilettes sont restées là. La chambre à coucher du papa est restée là. La chambre à coucher des enfants sont restées de l'autre. On a séparé la même maison à deux. C'est ça. C'est ce qu'ils ont fait. Et à nous maintenant de ressouder. Allez, on va parler un peu des vertus d'Atakou. J'ai trouvé sur Internet. Mais, lise bien avant. Ressouder cette Afrique-là. Oui. Ce n'est pas plus théorique que. Je dirais même plus que c'est. Aujourd'hui, c'est un impératif plus actuel que jamais. J'ai découvert la dernière fois que, par exemple, sur des questions pratiques, on ne va même pas aller sur des questions de considération philosophique ou culturelle. Le commerce intra-africain est à peine de 15%. C'est aberrant. Il est bizarre que des pays qui soient voisins, qui partagent les mêmes réalités, échangent aussi peu. C'est pour ça qu'ils ont créé l'ECAF, la zone de libre-échange africaine. Qui est en train de déployer, on verra les promesses. Mais même pour régler des problèmes communs, comme par exemple le terrorisme,
Je vous garantis qu'il faudra renforcer la coopération internationale. C'est clair, régionale. Il n'y a que l'action concertée qui absolument. Puisse. Parce que là, l'une des failles sur cet aspect précisément, c'est comme on voyait dans les films américains, le gars, le malfrat, il quitte l'Amérique, un État américain, et puis il prend la frontière, il est au Mexique, il est de l'autre côté de la ligne, et puis il fait tout voilà, les grimaces. C'est ça. Là, les terroristes, ils peuvent venir frapper peut-être dans le Nord Togo, et quand on les poursuit, quand on se rend compte qu'ils ont franchi la frontière, qu'ils sont dans le Burkina, la poursuite ne peut plus continuer. S'il n'y a pas de relais là-bas. C'est une continuité spatiale, en réalité. C'est une continuité. Donc, forcément, quand tu traverses la frontière Togo-Bénin, si tu dors, par exemple, à Nero, que tu te réveilles de coup d'œil, tu ne seras pas dans l'espace. Exactement. Ouais. Tu ne seras pas. Jusqu'à te rendre compte que tu es au Bénin, mais c'est... il faudra qu'on te dise. Ouais. Donc, c'est réalité, la France, qu'on doit, dans la pratique, avoir un certain sens de l'unité sur des questions concrètes. Il y a par exemple le corridor à Abidjan, les Lagos. Surtout qu'à traîner pendant des années parce que justement, d'un pays à l'autre, c'est compliqué. Alors que c'est plat, c'est une voie directe qui facilite tout le monde. Donc on n'a même pas besoin d'aller dans des considérations hyper panafricanistes, politiques, pour comprendre qu'on doit avoir une certaine unité, un certain lien renforcé. Au minima, quoi. Et moi, je me rappelle, il y a des choses assez étranges, enfin, pas étranges quand on comprend l'esprit, mais par exemple, dans des pays comme le Cameroun et le Gabon, l'espacement des rails, par exemple, n'était pas le même. Parce que vous ne pouvez pas faire la continuité, parce qu'on sait que c'est des choses subtiles, mais qui sont fondamentales pour l'économie, ouais. Pour celui qui l'a pensé comme ça, l'a pensé... dans son intérêt. C'est pas dans votre intérêt à vous. Maintenant, c'est à nous de repenser les choses dans notre intérêt. Et il y a des choses très subtiles, mais sur lesquelles quelqu'un joue pour des questions de souveraineté, de séparation. Quand, par exemple, l'Angleterre devait, je donne un exemple vraiment d'Européen, devait passer, renforcer les liens avec l'Europe, pour s'assurer que les produits européens ne viennent pas directement les concurrencer, ils ont changé le voltage. Bah oui, tu vois. Le voltage des machines, de donc, tout ça, bien sûr. Vous ne pourrez pas vendre facilement chez eux. Et des pays font ça, on décide que. Même des, on à partir des les prises, les fiches pour brancher, absolument, même sont différentes. Absolument. Mmh. Donc on pense ces choses-là. On décide qu'on va faire cavalier seul ou on va faire unité. Et quand l'Union européenne a décidé, par exemple, qu'ils voulaient renforcer ces unités-là, ils ont décidé que pour les fiches, par exemple, pour les téléphones, il faudra que les constructeurs se débrouillent. Pour s'entendre, pour que ce soit les mêmes groupes pour tous. Ouais. Et on voit que du désir d'unité, il y a des conséquences pratiques dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pas totalement abstrait. Et dans l'économie, dans le business, ça a des conséquences directes. Et donc, je demanderai à nos opérateurs économiques d'ici, est-ce que vous n'avez pas envie, vous, d'exporter, je ne sais pas moi, du maïs au Kenya ou inversement, d'importer Et ça, c'est des choses sur lesquelles on doit aller. On n'a même pas besoin d'être... hyper versé dans le chromisme, tout ça pour faire ça. Ouais. C'est basique, c'est fondamental. L'unité dont vous parlez est donc politique. Politique, économique. Parce que si le politique ne décide pas, l'économie ne peut pas suivre. C'est ça. Parce que les pays qui sont sur les peuples frontaliers, eux, ils n'ont pas de problème. C'est-à-dire, quand vous voyez quelque part à Gotimé, à 25 km d'Agou, vers le Ghana, les gens traversent facilement la frontière pour aller à l'école et revenir. Ah oui. L'église est quelque part au Ghana, le cimetière quelque part au Togo. C'est pour le même village. Et puis, pour eux, ils sont de leur village, un peu un trait. D'autres parlent anglais, d'autres parlent français. Bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est que c'est les politiques qui doivent vraiment décider que cela prenne forme. Moi, j'ai toujours réfléchi au fait que je me demande pourquoi dans l'espace UEMOA, on n'a pas les mêmes numéros de téléphone. Les mêmes numéros. Oui, depuis récemment, vous savez qu'il y a eu une disposition qui a été prise dans la CEDEAO pour qu'on puisse communiquer. L'interopérabilité. Parce que tu sors du Togo, comme vous disiez, tu ne sens pas physiquement que tu es dans notre espace, mais tu es au Bénin, tu ne peux plus appeler, ta puce ne peut plus marcher, etc. Voilà. Fait drôle, par exemple, un Français qui quitte la France avec son... Il vient au Togo, ça marche. J'avais un ami, il n'avait même pas eu besoin de refaire sa recharge d'Internet. Non. Ça
Ça passait spontanément, parce que c'est le même opérateur. Donc, c'est que ces gens ont ça en tête, quand ils font ces choses-là. Donc, c'est pas, il ne nous a pas interdit à nous d'être innovants. Tu viens avec la puce internationale, tu viens, ça se greffe sur un réseau partenaire ici, systématiquement. Et si tu ne fais pas gaffe, tu appelles, ça te sort toujours les mêmes forfaits, et puis après tu vas te retrouver quand même avec une facture. Oui, mais ça se greffe. Pourquoi est-ce que nous... Voilà quoi, c'est-à-dire que c'est possible. C'est-à-dire que normalement, je me dis, par exemple, quand on parle de cette union-là, prenons juste la téléphonie, c'est que, comme Lys le dit, tu traverses, tu vas au Bénin, on t'appelle, et c'est sans frais. Normalement, ça doit être sans frais, ça doit être vraiment... Il y avait sans frais surplus, en fait. Oui, c'est pas de surplus, quoi. Oui. Il y avait le free roaming à une époque, je ne sais pas si ça travaille encore, mais c'est-à-dire que ça devrait exister. L'union commencerait par là. Et beaucoup de choses aussi. L'union ne commencerait pas par là. L'union commencerait déjà par faciliter traverser Togo. La circulation. Ouais. Pas plus tard que la semaine dernière, quitter frontière du Togo pour rentrer dans Petit Ghana. Authentique. Il n'y a pas une semaine. Cette frontière. C'est extraordinaire que ça se passe comme ça de nos jours. Tu rentres au Ghana. Maintenant, tu veux sortir du Ghana pour venir dans ton pays. Ghana te demande encore 2000. J'ai dit que je pars, que je vais chez moi. J'allais chez vous pour dépenser. Avec le passeport. On te dit que, le nouveau passeport, comme ça n'a jamais eu de stamp, il faut payer 5 000. Parce que c'est le premier tampon. Oui. Ouais, 5 000 francs. Tu quittes le Togo pour aller au Ghana. C'est-à-dire que... Et puis, te mettre une date, hein, c'est-à-dire que pour aller en France, même pour moi, maintenant, c'est plus facile que pour aller au Ghana. Ouais. Nous, qu'un type, là, il est néo. C'est-à-dire que, nouveau passeport, first stamp, 5 000. Mais là, c'est pas 5, c'est 4 identités seulement. Et puis, tu te dis 60, c'est bien. 5 000. Oui, il veut laisser faire. Si il y a 5 000, ça fait 1 million. Donc, c'est 5 000, tu te dis 1 million. Lui-même, il a honte, il dit 1 million. Il te dit 5 000. Maintenant, pour celui qui a 4 identités, c'est 2 000, 5 000. Mais là, tu demandes... Non, là, c'est... Pourquoi? C'est-à-dire que l'argent, là, ça sert à quoi? Sur mon passeport, c'est écrit « ECOWAS ». C'est écrit « passeport de la CEDEAO ». Justement, là-haut, là. Mais là, c'est qu'on a d'avoler. C'est-à-dire que quand on est payé, demande juste « Jean, pourquoi ?» Et au Beno, il y a tout ça mal. C'est-à-dire que tu as amené un gros porc dans la mosquée. C'est extraordinaire, mais Lys, l'entrée a été comme ça aussi. Et puisqu'on n'a pas la bouche tranquille, on dit non, on veut comprendre. Mais dedans, c'était un tollé. Mais les gars, ils s'en foutent en fait. Hein. Ils s'en foutent, mais royalement, de toi. Mais tu fais tout ça. Et il dit qu'en désespoir de cause, tu as ta course à faire, tu donnes l'argent, tu passes chez eux pour aller dépenser chez eux. Maintenant, tu veux sortir pour venir chez toi. Ouais, c'est la même chose. Quelqu'un te dit qu'il faut payer 2000. Pour sortir de chez eux. Parce que c'est pas chez lui que tu avais payé 5 000. C'est ça, là. Et puis ça dit que c'est pas lui. Oui, j'étais pas ici le matin, vous êtes passé par là. J'ai dit que l'argent, là, ça va où? Maintenant, hein, c'est pas ça qui te fâche. Quand tu as payé tout ça pour rentrer dans le Ghana et que tu ressors et qu'on te paie, tu as déjà payé 2 000 encore pour sortir, là. C'est que c'est le zozo final qui est assis sur une chaise dans l'allée là-bas. Et il tient une corde. Et il dit... 500. Tu connais. 500, là, c'est pour moi comme 5 millions. Parce que, c'est que tu as fini toute la dose de fâchement de ton corps. Comme ça. Et puis, pour toi, tu te dis, je sors de votre flux de pays, je vais chez moi. Tu le regardes en gros, avec son haleine. T'as dit que avec son haleine. Lys. Et il te parle mal. Hey, you there! Donnez! 500! T'as dit, réveille-toi. On est suité. You there! 500! Il dit, 500, pourquoi on vient de donner 2000? Il se dit, tu peux s'apprendre, tu ne peux pas, si tu ne payes, tu ne donnes 500 à mon mamayo. Que
500 pourquoi? C'est-à-dire que circuler entre le Togo et le Ghana. Lisse. C'est-à-dire que si quelqu'un a trop la paix chez lui, il veut perturber un peu sa paix là. Quand on a qu'à traverser la frontière Togo, Lisse. Ghana, pour aller simplement. Mais quand je suis allée au Bénin récemment, j'ai été extraordinairement surprise qu'on me dise que mi flat de envo. On était en voiture. Moi aussi. Il y avait mi flat de envo. C'est ça. Moi aussi. Allô? Mais mi flat de envo. Moi j'étais en moto. Mais ça a changé maintenant. Ça a changé. On est rentré dedans et j'ai dit, oh, puisqu'ils ont reconstruit là-bas, depuis qu'ils ont reconstruit la frontière, je n'étais pas passée. Mais j'ai dit, on va faire les formalités où on dit non, que. C'est-à-dire que c'est fluide, on n'a pas été arrêté, on est passé. Comme quoi c'est Lisse. Possible. C'est-à-dire que, donc Benin a compris qu'on est dans ces DAO. Non, Togo et Benin ont compris. Mais est-ce que les autorités du Togo ne peuvent pas faire quelque chose Lisse. Pour affaire du Ghana Lisse. Qui donne-moi ne fait que tout Benin. Un jour, je disais ça dans une émission, on recevait Fred Mkodjo qui a confirmé que personnellement, il devait traverser. C'est-à-dire, c'était à Ochaha. Lisse. Toi-même, initiateur parmi les initiateurs de la CEDEAO, Lisse. Quand tu es venu, Lisse. Toi aussi, tu es dedans. Donne-moi 30 secondes. Yo, on te demande même, on m'a demandé une fois le passeport de la CEDEAO. Est-ce que notre passeport est non, non, CEDEAO? Je présente mon passeport, on me dit ECOWAS passeport. Que je dois sortir le passeport de la CEDEAO. Normalement, on n'a pas besoin de passeport pour passer les justement, frontières. Justement, on te demande le passeport, pas le passeport togolais, le passeport de la CEDEAO. Le jour, là, je te dis, je t'empêtais et quelqu'un a fini par me dire qu'ils vont te foutre une drogue dans ta... Plutôt que des problèmes. Non, 2009, il est là. Mais tu vas en France ou bien dans un autre temps. L'essentiel, que tu aies ton visa, tu rentres dans l'espace Schengen. Tu passes de la France... De la Belgique à la France, tu ne sais pas. Tu pars de la Suisse à la France, tu ne sais pas. Tu pars de l'Allemagne à la France, tu ne sais pas. Genre, tu ne sais pas quoi. C'est que tu ne sais pas. Ceux-là, ils ont combien de têtes sur leur seul cou? Nous, on a combien de coups sur nos plusieurs têtes? Je sais pas. Bref, donc, c'est du genre à te faire perdre ton cabier. Non, c'est extraordinaire. Ah oui, c'est... Frontière Togo-Ghana, il faut qu'on puisse faire une action force. Nyan Kemilate au voix, il faut qu'on réfléchisse. À faire l'action, si je dis qu'elle elle doit être forte, c'est petit. Une action puissante, une action tsunami à la frontière là-bas, parce qu'il n'y a pas une semaine, ce que Agbeto a vécu là-bas, à la frontière là-bas. C'est tous les jours. Ce n'est pas possible. Et puis c'est que les Ghanais disent que. C'est parce que les Togolais les fatiguent, qu'eux, ils rendent la monnaie aux Togolais. Mais si tu viens, je ne sais pas si c'est parce qu'on est Togolais, mais au niveau des Togolais. Oui, c'est ça. Je pense que c'est plus fluide. Non, parce que tu es togolais. Non, parce que tu es togolais. C'est comme ça qu'ils font aussi gagner. Oui. Donc ils fatiguent les gagner. Oui, comme ça. C'est non, vrai. Non, à votre jeu là, c'est non, c'est vrai. Il n'y a que vous qui en tirez votre marron du feu. Vous vous enrichissez peut-être. Ou alors, qu'est-ce que vous faites? Mais nous, citoyens là, le jeu que vous faites là, il n'est pas propre. Non, il n'est pas. Moi, dans les années 90, je me permettais de traverser la frontière ghanéenne à vélo. Je prends mon vélo, je vais jusqu'à Denou, je me promène, je reviens. Oh, je ne t'ai même pas inquiété. Il suffit de dire que je vais là-bas et puis c'est fini. Mais là, maintenant, tu ne peux même pas. Tu ne peux même pas. Et c'est terrible. Ah, et c'est partout, ce n'est pas qu'à Plaou. Hein. C'est pas qu'à Plaou. Et l'autre arrêt. Oui, bon, c'est aussi la différence entre le Togo et le Ghana. C'est que entre la frontière et Accra, il y a 120 km à faire. Et, enfin, oui, nous, on est à la frontière. Voilà, donc, il n'y a qu'un seul point, quoi. Donc, alors que là, il peut en mettre deux, trois jusqu'à la capitale. Donc, voilà, pardon, les autorités, il faut faire quelque chose. Les autorités, vraiment, c'est-à-dire que, sincèrement, de sciences sur la fête du Ghana, là. Parce mais que, on en parle depuis, mais ça. On en parle depuis. Ce n'est pas comme ça, ne change pas, ça change. Hein. Mais ça s'empire, en fait. Si il dit que ça ne change pas, c'est encore mieux. Ça change. Mais en pire, ce que les Béninois ont refusé de faire, on a rajouté ça sur pour nous, et puis on fait ça au Ghana. Oh. En tout cas, on peut voir par ce genre d'exemple que ces choses-là, ce n'est pas la politique avec des guillemets, mais c'est la vie de tous les jours. Et ça impacte ça t'affectera, quoi. C'est-à-dire que tu sois ça t'affectera. Donc, la prochaine fois, si on t'en parle, il faut peut-être écouter avec attention parce que ça te concerne. Ça te concerne bien, même. Ça te touchera. Donc, c'est dans ces choses-là,
que des impératifs comme ça doivent émerger. Et on n'a pas besoin d'être hyper politisé pour aborder la question. C'est que c'est vraiment le concret, ton portefeuille, ton confort. Ta vie, ton humeur, oui, ton psycho, ta santé psychologique. Un zozo qui va t'embêter pour 500. Hey, youhou, come here, hey, quand c'est ça. Il prend ton argent, il te parle mal. Et Lys, à ce grand copé, il y a des bus, quand tu prends les vieux cars là, on ne t'inquiète pas trop parce qu'on se dit que là, c'est des damnés. Mais quand tu es dans un petit taxi, gros bus là, tu as des problèmes. Je me rappelle une fois, j'avais pris ce genre de véhicule justement pour ça. Ils nous ont arrêtés. Ils ont mis à parler tui aux gens. Pardon, tui, c'est un problème. Et ils ont dit de descendre. Non, mais pour ceux qui ne parlent pas tui, moi, ma maman est tui, donc je peux comprendre. Brian dit, Brian, il s'est bien mangé, mais je ne veux pas lui dire ça là-bas. Brian, quand Minti, assis, on est au bafou kakra. Donc bon, c'est... Venez prendre des cours chez moi pour passer facilement. Venez prendre des cours chez moi. Pareil pour moi, ce gars qu'on paye, ils ouvrent la portière et puis ils parlent. Ceux qui répondent, bon, vous, on sait que vous êtes de là, quoi. Ceux qui ne répondent pas. Si tu ne réponds pas, tu... Mito va, mais elle va sur passeport. Une fois, j'ai feinté. Hein. Les gens sont descendus. Moi, j'ai continué comme si j'allais acheter du pain. Je suis allée attendre le bus. Oui, oui, non, tranquille. Allez, la maniguette, c'est le Attaku. Elle fait partie des de la même famille que le gingembre. Ouais. C'est bizarre. Ah bon. Petites graines. Ah, ces petites graines sont appelées les graines de paradis. Vous ne saviez pas. Dites-moi merci. Merci. Merci Google. Que l'on boit pour avoir la pâte d'agrumes. Elle a été introduite en Europe. C'est ça. Ça ne vient pas d'Europe. Et pour le bonheur des cordons bleus, mais aussi des provisions de la boisson. Oui, la boisson, ça rentre beaucoup. On fait des surabia à Attaku. Voilà. C'est riche en tanin. Je ne sais pas ce que c'est que le tanin. C'est apprécié pour sa forte teneur en sels, minéraux, protéines. Oh, ce nom-là, ce n'est pas bien. On fait de l'huile essentielle de maniguette. Onya. Ah bon? Non, je ne sais pas. Oh oui, mais parle-moi. Parce que si j'avais trouvé... Oh, pardonnez-moi. Je me suis mélangée. Bon, je voulais trouver les vertus du Attaku. Oui, ça a des propriétés stimulantes, c'est vrai, stimulantes. Et aphrodisiaque également. C'est un puissant régulateur de menstruation. Notamment lorsqu'elles sont douloureuses. Et oui, et puis c'est un pondérateur efficace de lactation. C'est pour toi. Que de boire de la bière pour la montée du lait quand vous accouchez, il faut prendre Attaku. Ah oui, il y en a qui prennent Attaku sur la bille. Vous pouvez prendre Attaku. Infusion d'Attaku, ce serait encore bien mieux que la bière que vous prenez pour la pondération du lait. Ok, c'est super. Aphrodisiaque, ça intéresse plein de personnes quand on dit que c'est aphrodisiaque. Bah, ils n'ont qu'à aller au Wallab ce soir. Oui, ouais. Ils n'ont qu'à aller au Wallab. On fera des potions. Le prince aura des recettes magiques autour des vertus du poivre africain. Donc, vous voulez en savoir plus sur le Attaku et l'utilisation qu'il faut en faire. Et puis, s'il y a éventuellement une vertu particulière... Qui peut vous intéresser, mais tu sais, c'est subsidiaire, c'est pas l'essentiel. Hein. Faut toujours aller au Wellab. C'est juste derrière la base et bon, quand vous arrivez, vous descendez, vous continuez. C'est la rue en fait qui passe. En venant de la ville, juste après la base Ebomov, c'est la rue que vous trouvez. C'est la rue tout droit, oui. C'est tout droit, et puis c'est une villa blanche, ouais. Je crois. En général, bon, si on se perd, il suffit d'appeler le numéro, et puis on vient vous chercher. Oui. On va revoir la fiche avec le numéro, s'il vous plaît. Pour faciliter les choses. Ah oui, c'est vrai. Le problème est que ceux qui doivent prendre la décision, ceux qui sont censés agir pour faire changer les choses, ils ne suivent même pas la TVT. Tu vas chez eux, c'est sur France 24 qu'ils sont. Peut-être qu'eux-mêmes ne passent pas par là. Ils passent par l'avion. Ou alors, quand ils doivent passer le protocole d'État, il y a tout fait. Et puis, eux, c'est pas... Mais puis, ils vont se dire, ah ouais, ça roule aussi bien, ça roule facilement, hein. Ça roule facilement. Que dit le peuple? Que raconte le peuple? Nous, on n'a pas le protocole qui fait des formalités pour nous en amont. Voilà. J'avais un ami, il disait en plaisantant qu'il faudrait que le président aille souvent à Thiéville parce que c'est quand il vient là qu'on répare les trous sur la route. Donc il faut qu'il fasse des visites inopinées.
À Thévié. Bon, si ce matin, le président n'écoute pas France 24, il peut nous écouter. Bon, super. Est-ce que, Renaud, est-ce qu'il y a d'autres petites informations à nous partager par rapport à ce soir avant de finir? Oh, déjà, comme je disais, ce sera un espace ouvert de découverte. Je reprends le numéro 91 12 63 16. Donc, venez passer un moment de partage d'expérience et de découverte, justement, de ce trésor africain. De ces deux trésors africains. Est-ce que le livre sera en vente? Non, non, malheureusement, non. Il sera présenté et vulgarisé. Mais est-ce qu'on peut encore en trouver en librairie? Je ne sais pas. Je pense. Parce que c'est quand même assez, assez rare. Hein. Mais peut-être bon pasteur. Il faudra voir avec eux. Et en ligne aussi aujourd'hui, bon, on peut encore le faire. Parce que Aïkoua est toujours vivant, donc une bonne partie de sa production est disponible via sa maison d'édition Perrank. Okay. En fait, c'est un Ghanéen qui a beaucoup vécu en Occident et qui est revenu s'installer au Sénégal. Okay. Donc, via sa maison d'édition, on peut quand même se procurer une bonne partie de sa production. Et si ça vous intéresse, et je pense que ça intéressera un grand nombre, il faut venir découvrir et partager ce moment-là. On ne va pas juste aller boire la bière, mais on va venir aussi lire un peu et apprendre. Non, souvent, à la fin, il y a quelque chose que vous partagez. De toute façon, bon, comme c'est Taku, donc je pense qu'on va... Il y aura Taku qui dit. On va assaisonner ça un peu. Ne ratez pas d'y aller, l'entrée, elle est libre. L'entrée est libre. Ouais. Vous savez, pour aller nourrir son esprit. Et puis, peut-être nourrir son palais aussi d'Ataku et dériver. Donc, c'est toujours bien. Chacun vient avec sa poche. Oui. Et donc, le but, c'est de partager. Comme on dit, each one, teach one. Oui. Donc, venez avec quelqu'un, faites-lui découvrir ça. Oui. Et on va s'enrichir ensemble. Il y a quelqu'un qui dit le partage nous enrichit. Donc, le partage enrichit énormément. Le partage enrichit, mais énormément, c'est vrai. De 15h30, vous êtes déjà là pour que ça puisse commencer réellement quoi, à 16h. À 16h. Voilà. 2h, c'est ça? Trois heures de discussion. Il y aura la présentation, ensuite le livre et un débat, et puis voilà, le petit échange pour bien convivial pour conclure tout ça. C'est ça. Quelqu'un dit, madame l'aider, je ne sais pas si c'est... Ouais. OK. Firmin, s'il te plaît, aidez-nous avec le numéro de la police d'information pour la région de la Cara. On a volé ma voiture hier nuit. Et en espace d'une semaine, on a volé beaucoup de choses dans notre milieu. Ben, c'est le premier vol que vous n'avez pas signalé. C'est ce qui fait perdurer la chose. Hein? Firmin, s'il te plaît, on peut avoir l'affiche de la police. Non, mais ça, c'est pour signaler les événements en lien avec le terrorisme. Allez plutôt dans le commissariat de votre quartier, le commissariat le plus proche. Allez signaler, faites une main courante, qu'on constate le vol. Parce qu'on peut utiliser votre moto volée pour aller commettre un forfait, c'est vous qu'on viendra attraper. Quand on vole vos documents ou alors vos biens comme ça, le premier réflexe, c'est de le signaler aux autorités qui savent quelle démarche effectuer. Mmh. Si vous ne signalez pas et que demain la moto est retrouvée, vous ne pourrez pas vous présenter en prétextant que et moi, ou alors on a volé ma moto. Il faut signaler. Et vous n'avez pas besoin d'un numéro forcément. Allez dans le commissariat de votre quartier, de votre arrondissement le plus proche et signalez cet état de fait qu'on a volé votre moto, qu'on a volé ci, qu'on a volé ça. Ouais, non. Faut faire ça. Renaud, merci énormément d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à vous pour l'invitation et pour l'espace que vous offrez justement pour nous présenter notre activité de ce soir. C'est cela. On sera ensemble à partir de 15h30. Autour des guérisseurs, ce document de Aïkoué Ama, et puis autour de Ataku, les vertus d'Ataku. Novio Miva, Ataku. On va poser toutes les questions, et puis c'est un prince, un chef traditionnaliste, Benoît, et c'est lui qui va en parler. Donc il en sait beaucoup, aussi bien spirituellement que, voilà, ces vertus que l'on peut adorer, que l'on peut apprécier. Éléonore, merci. Très belle. Firmin dit qu'il a des photos d'authentiques. Bon, on va finir, ce sera le générique, d'accord? On sera complètement le jeu. Je t'aime, Firmin, je vous aime tous là-bas, la technique. Grâce et à très belle journée à vous. Belle journée à toi aussi. Et à samedi prochain, rediffusion de l'émission mardi, après le journal de la nuit. Au revoir, passez un très bon dimanche de prière. Oh non, aujourd'hui, on ne prie pas. Très belle semaine On prie aujourd'hui, c'est oui, mais on ne jeûne pas. On prie aujourd'hui. Oh mince. Passez une très belle semaine de prière.
de contrition, mais surtout de partage. On voit, il y a samedi. J'ai dit dimanche, on ne prie pas. Ma vie même, c'est comment. Voilà.